Brrr. Brrr, brrr. Péter leur cheville. Péter leur cheville. Comment ça va, les refs? Comment ça va? Heureux. Heureux, mes amis. Putain, je connaissais pas ce son-là, mais il est... Ah, il y a des coups de couteau, gros. Ah, j'ai eu un petit vocal avec Wade, gros, je peux te dire que... Il est temps de changer le gif. Je vous le dis, les gars, il est temps de changer le gif. On va changer le gif, on va mettre un golem. Un golem de WoW. Coup de marteau. Non. Oh, 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 oh. Oh, le son me met des claques. Oh, ah, oh. Les gars, faut que je change le... Exactement, faut fumer tous un nid. Faut que je change le gif là pour remplacer ma cam. Qu'est-ce que je mets, les frères? J'ai pas d'inspi là. Darius. Ou alors attends. Un mix des anciens persos. Ah mais ça faut que je le façonne moi-même. Hein. Ok, c'est bon, le jeu est lancé. Tac, Redem, son du bureau. Bam. Voilà. Bou, 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 bou. Screen de mon mode calme allumé, bah il y a toutes mes anciennes rediff quoi. C'est mon petit fils. Bonsoir. Bonsoir. C'est mon cheval, ça, non? Oui, je m'occupe de faire les fers. D'accord. C'est mon petit Memphis. Oui, ouais, c'est ouais. Ça, c'est ça. Moi, je voulais faire alors. Merci beaucoup. Du coup, on a Memphis. Alors? J'ai pas touché des truands ou des malandrins. Personne ne bouge. Ah. Moi j'avais pas l'intention de bouger. Je ça suis va, le sombre inquisiteur du bureau des shérifs de Louvain. Ouais. Tu sais, inquisiteur, tu devrais éviter de prendre ce surnom. Ah ouais, je les baise moi les inquisiteurs. C'est moi le vrai inquisiteur. Oula, ah bon, oula. Ah bon, il y a des inquisiteurs, ouais, y a des inquisiteurs pardonnez, dans le secteur. Eh oui, oui, apparemment, oui. Et c'est ils sont plus proches qu'on ne le pense. Ah bon. Oui. Mais comment ça eh oui. Mais ça se voit des inquisiteurs, ça, ça se reconnaît. Je vais leur bêcher leur foutal et je vais leur mettre une fessée, moi. Ah oui. Ah oui. Oh, c'est radical. Oui. Bah tiens, c'est madame va rejoindre les recrues des shérifs. Ah, je sais, ouais, j'ai vu hier.
Ah. Mais comme je disais, je suis grandement étonné de voir un bureau aussi jeune et dynamique. Bien sûr, ça doit vous changer, hein. Ah bah. Comment elle va? Elle va bien? Oui, ça va, oui, oui, ça va. Super, vous allez bien, Dame Hélène? Oui, oui, ça va. J'étais en train de lire la Bible avant que vous arriviez. Ah bon? Oui, je lis souvent. Il faudrait mieux lire le Talmud. Ah bon? Eh oui, c'est, hein. C'est quoi ça, le Talmud? Le Talmud. Attendez. Quoi, c'est un truc... Moi, je sais pas ce que c'est. Moi. Le Talmud, ça, hein. Ça me dit quelque chose de nom, mais... Eh oui, oui, c'est mon livre sacré à moi. Ah? Ah, vous avez un livre sacré? Oui. Enfin, moi et tous les juifs, quoi. Ah oui, c'est ça. Ah oui, vous, ah, oui, vous êtes... Ah oui. Ah oui, vous êtes différent un peu, quoi. Je... Oui. Oui, oui, je suis meilleur, oui, oui. Vous êtes quoi? Meilleur. Meilleur. C'est peut-être vous qui le dites. Eh oui, il faut lire la Torah, hein. La Torah, non, non, tous les écrits sont dans la Bible, mon brave. Oui, oui. C'est marqué là-dedans, la vérité se trouve dans la Bible. Ah, tiens, oui, je m'occupe du cheval. Hein. Ouais, bah tu peux le laisser dehors. Attends, faut que je sorte les autres, alors. Ah oui, d'accord. C'est le mien, je vais le prendre, t'inquiète pas. Mais alors, vous allez porter un signe quand, là? T'as déjà fait au déchet? Écoutez, je ne sais pas, j'avais rendez-vous à 21h avec le shérif Racine. Oui. Là, il était occupé, il est parti faire quelque chose, il doit revenir peut-être plus tard. J'ai peut-être des tests à passer, je ne sais pas. Oui, je lui ai conseillé de vous faire passer des tests. Oui, j'en ai déjà passé en pleine Sylvanie déjà. Tiens, t'as Nevada ici. Ah, d'accord. Ah, mais pourquoi vous étiez shérif en pleine Sylvanie? Ah non, non, j'ai essayé. J'ai réussi. Ils vous ont refusé. Mais ils ont pas voulu. Bah, c'est des connards là-bas. Ah ben écoutez, c'est des gens, vous savez, il faut éviter de toucher à, vous savez, une certaine partie de notre corps là. Oui. C'est si on dès que vous touchez à cette partie, ça réveille une certaine sensibilité. Le trou de balle. Non, pas vraiment. C'est plus à l'intérieur de nous. Vous leur donnez quelques conseils, quelques idées. L'ego. Ah oui, c'est ça, les gars. Ah oui, bon, ils étaient confrontés à eux, là. Ils étaient pas contents parce qu'on les avait pas prévenus avant de faire un convoi par chez eux. Et bon, bah, du coup, il y a eu un petit échange verbal, là. On les a remis à leur place, hein. Ah oh bon, putain, toi! Ah, mais ça me plaît à l'heure, parce que bon, je vais pas vous mentir que moi. Ça ou quoi, Sacha? J'ai tout fait, hein. Je leur ai donné des conseils en plus, parce que bon, au vu de certaines prestations de leur part, ils se sont fait cacher les jambes par les rebelles d'Es. Hein. Ah bon? Mais ça m'étonne pas. Vous savez, quand moi je suis allé là-bas, quand moi j'étais allé, c'était du coup il y a quelques jours pour passer mes tests, chaque coin de rue, il y avait un Mexicain. Chaque coin de rue, il y avait des gens qui vendaient des produits étranges, c'est mal peuplé, des herbes étranges, et il y avait même des sauvages torse nus. On est de retour en 1800. Il n'y a plus personne qui garde la frontière. Oui. Ah, vous savez, hein, vous savez, de toute façon, là, vous êtes... Bonjour, Roger. Tu vas bien, Roger? Non, ça va pas. Très bien. Je te demande pas pourquoi, hein, c'est une simple formule de politesse. Hein. Ouais, gros fou. Ouais. Et qu'est-ce que je disais? Oui, vous savez, si vous êtes dans le meilleur des bureaux, hein, pas vrai, Roger, hein, les seuls à avoir arrêté des rebelles d'Esch, les voir traîner devant la justice. Ça, c'est bien vrai, ça. Bah écoutez, on m'a dit du bien de ce bureau, ma petite nièce, Madame Van Rock m'a dit du bien, Monsieur Van Rock aussi, la mairie tout autant, très les bien. Citoyens aussi, hein, vous savez, vous avez l'air d'être apprécié. Très bien, très bien. Dans le coin. Alors, il n'est pas apprécié par une certaine catégorie de personnes qui s'appellent les voyous. C'est que notre bureau des shérifs, il n'y a que des yeux. Et on n'a même pas fait exprès. Fripons, on est fort bon. Joseph, ton étoile. Moi, je suis. Pardon. J'avais une discussion avec la dame. Je suis juif. À Matt Kings. Très bien, très bien. Prenez votre temps. Et du coup, vous êtes juif. Ah oui. Bah écoutez, on peut pas être parfait partout, hein. C'est comme ça. Bah oui, vous êtes bien vieille, on dit rien. Bon, vous savez, vous inquiétez pas. Quel âge vous avez? Moi. Oui. Petite cinquantaine. Oh putain, touche pas, Roger, toi. Touche. Ordure. Eh, mon cher, je tiens. C'est bien, Roger.
Hop là, allez, t'as la station où est-ce que j'y vais. Ah oui, on est avant tout, on est soudés. Hein. Bah, comment il t'a poussé? Ouais, il m'a poussé. Ah oui, ah, je t'ai vu tomber la tête la première. Ah oui, oui, il m'a poussé, l'enfoiré. Donc, du coup, vous avez 50 ans. Vous avez arrêté de compter à 51 là. Non. Hier soir, vous m'aviez pas dit 60 et quelques. Non, ça c'est vous, ça. Ah bah, je crois qu'il penchait. L'essentiel, c'est quoi? Oh, le bâtard. Va-t'en. C'est que souvent on dit que je fais une petite trentaine. Alors bon, moi, je reste à une petite trentaine. Ah oui, une petite trentaine. Une petite trentaine doublée. C'est pas l'aspect physique, c'est le mental, mon brave. Ah bah, qui le dites-vous, hein? Saloperie. Là. Si vous êtes jeune dans la tête, croyez-moi, vous pouvez le faire mental. Les miracles. En accent belge. Mais regardez, comme vous êtes musclé. Bah arrête, tu vas te faire mal, les ch'teurs. Ah ouais, c'est terrible. Bon, je vais faire un tour dans le road, je reviens. Ça va mieux, tu vois d'où, d'ailleurs? Ah oui, je vois ce que tu veux dire avec l'accent belge. Arrêtez, lui. Ouais. Vous cherchez moi, c'est vous qui m'avez parlé? Non, je veux dire Hugues. Hugues, ah d'accord. Je crois qu'il c'est Hugues. Et tu sais qu'on a eu un bon retour sur la scène de hier. Hein. Le mec il m'a envoyé un DM, il m'a dit qu'il avait aimé. C'est du bien de voir des shérifs qui n'étaient pas des chevaliers blancs. Enfin, bref, ce qu'on veut du coup. Bon, allez hop. Si j'ai pas de courrier, je fais une rumeur de merde sur les shérifs de Pennsylvanie. Bonsoir. Ouais, au revoir, putain, je suis pas d'amis. Vous voulez être mon ami, s'il vous plaît? Bah si vous voulez. Oh, vous appelez comment? Oh, Joseph Goldstein, enchanté, vous. Ah! Je vous avais pas reconnu, monsieur Goldstein. Ah oui. Zeddy Custer. Zeddy Custer, ah bah moi je ne vous connais pas. Ah bah non. Vous travaillez où? Moi je travaille à Ashford. Ah oui, là, vous connais alors. Oui, bah oui. Et on a le manoir Braceways aussi. Ah oui, d'accord. Bon bah, enchanté, mon ami. Je vais aller travailler, moi. Oui, bah, au revoir. Bon courage. Non, bah, écoute, t'as pas... Enfin, quand il a dit je vais pisser et tout, c'est parce qu'il avait des petits problèmes. Oh putain, il y a un Waiters qui court partout. Oh, est-ce que j'étais payé, tu vois? Vraie question, ça. Est-ce qu'il m'a payé, cet enculé de Wade? Pauvre merde, celui-ci, là. Allez, j'ai pas été payé. Ah, pourtant. Ça a reçu le... Non? Transfert... Bon, on va... Aujourd'hui, je vous le dis, on va serrer la vis, là. Aujourd'hui, on va... C'est opération coup de poing, anti-contrebande. On va guetter les charrettes, tout ça, là. Bah, parce que j'arrive pas à le prononcer, genre... Là, j'ai écrit bizarrement. Appelez-le juste à là, alors. Du sang et des putes, exactement. Ah bah oui, si c'est la fin qui vous dérange. J'avais jamais penché. Ouais, tu vois, je pensais pas mon chien. Oui, il a en bave. Il en bave, oui, ça peut arriver. Il va remonter sur ses quatre fers, il ira mieux bientôt. Non. Mais oui, sauf que là, ils viennent le ressortir, ils viennent le alors qu'il est c'est vrai. En convalescence. Vous avez dit que ce soir, il serait prêt.
Oui, non, j'ai pas dit ça. Ah, après votre expertise. J'ai dit que je devais le contrôler. Oh, mais ne criez pas, là, tout doucement. Je vais aller mettre une fichier. Je vais mettre le tas du cheval. Moi, je comprends que vous voulez faire votre travail, hein, mais je refuse que vous manquiez de respect comme ça, mes hommes. Voilà. Parce que c'est ce que c'est compréhensible. Ah oui, c'est passé ça. Je m'excuse pour ça. Merci. Faites quelque chose dans ce cas-là. Vraiment. Je mettrai une petite tape sur les doigts. C'est lequel des deux? Ah, je plaisante. Bien sûr, ce sera fait. Ah, oh, bah, je vais mettre une fessée à Roger de ce pas, madame. Ne vous en faites pas. J'y vais, voilà. Considérez cette histoire comme réglée. Ah, DJ Van Rock, c'est votre nièce, d'accord. Oui, bien sûr, c'est ma nièce. Et Story, où ton frère? Ouais, chez Barachin-Denis, je sais plus trop quoi. Avec son cheval? Non, il a pris Cayenne. C'est un connard, ton frère. Ouais, je sais. Mais je lui ai dit de pas monter sur Odessa. C'est un connard. Oui. Non, rien à voir avec le cheval. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pas la peine de me persuader. Ah oui, oui. Oui, parce que c'est bien. Ça fait plus longtemps que moi que tu le connais. Hein. Tu vois bien que c'est bien la seule personne à qui je mets des torgnoles. Ah oui. Oh, t'aimerais bien foutre des torgnoles à deux, trois gourgandines, ton Esther, hein, vieux briscard, hein. Hein, s'il voit ce que je veux dire, un petit peu de tenue, non, Madame du Lac. Les nouvelles vont vite, hein, ce que je vois. Écoutez, ça fait quelques jours que j'ai débarqué en Louisiane, oui, on m'a un petit peu parlé de vous. Et de Madame du Lac, oui, ça se tourne un petit peu autour, hein, cachotier. Ouais, je vois pas qui c'est. Ah bon, Madame du Pac. Du Lac, vous pouvez pas la rater, hein, elle me ressemble avec 30 kilos en plus. Celle que t'arrêtes pas de renifler, Nestor. Avec ton vieux flair, là. Vieux limier, ouais. Mais vous avez le droit, vous êtes marié, monsieur Nestor. Ah bah non, non. Eh ben alors. T'as des gosses, Nestor. Non plus, foncez. Vous savez, à son âge, hein. Oui, j'avais. À tout moment, peu cané, hein. Nestor. Quoi? Est-ce que t'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Dieu soit loué. Bah oui, c'est quoi tout à l'heure? Il y avait. Ashley Wolfson, n'arrêtez pas de me dire vous voulez un enfant, hein, vous pouvez adopter un enfant chez nous. Et qui c'est la petite blonde là? Non, pas la blonde, c'est une connasse. Non, la rouquine. Ouais, c'est une connasse aussi. Il y a beaucoup de connasses par chez vous, pardonnez du terme. Eh oui, oui, oui. Il y a beaucoup de connards. Hein. Ah non, il y a beaucoup de connards aussi. Ah hein. Oui, ça ah va, oui. Ça va. Mais la blonde, je sais pas, elle peut pas me piffer. Hein. J'ai oublié votre nom, shérif. Ce que je voulais pas dire. Joseph. Shérif adjoint Goldstein. Goldstein. Oui. Vous en pensez quoi de Madame Von Rock? C'est une connasse, elle aussi. J'en pense pas moins. Vous savez, moi, passer ces trois marches, ces sparvis, tout le monde extérieur est rempli de connards et de connasses, hein, vous savez. Ah bon. Eh ben, dis donc, ça va. Eh ben, on vous apprend de belles choses, hein. Oui. C'est des juifs. Tu sais ce que c'est? Oh. Mais visiblement, votre prochain, c'est des connards et des connasses. Tout de même. Oui, aimer son prochain comme soi-même. Oui, d'accord. Je connais ça, oui. Ben oui, quand même. Moi, la vie m'a pas fait de cadeau, moi. Ah ben, la vie a fait cadeau à personne, hein. Les ai aimés, mes ouvriers à Saint-Louis. Vous étiez patron? Tes ouvriers ou tes esclaves? Oui, Saint-Louis, c'est au Sénégal, j'étais... Ah oui, bah, d'accord, oui. C'était des ouvriers, c'était des ouvriers contraints. Oui, c'est ça, oui. Fort lucratif. Alors? Faut que ça achetait un froid, bon, c'est pas grave. Hein. Non, mais écoutez, c'est votre passé, hein, vous avez le droit, vous n'êtes pas tous parfaits. Oui. Oui, chacun sa passion. C'est ça, chacun sa religion. Oui. Hein, Nestor, chacun sa religion. Eh ben moi, ça, je suis pas très pratiquant. Comment ça, vous êtes pas très pratiquant? Alors? Ça veut dire quoi, ça? Ah ben, ça fait longtemps que je suis plus allé à la messe, tout ça. Ah bon? Puis bon, ah bon, là où j'habitais avant, c'était pas trop l'esprit. Hein. Et là, ce dimanche-là, vous allez pas à la messe? Il y en a dans le coin, là. Bah, apparemment, dimanche prochain, il va y avoir, oui, un groupe de prière qui va avoir lieu, un truc du genre. T'as qu'à venir à la Sina, hein. Quoi? J'ai invité Nestor à la synagogue. Pardon?
Allez, votre synagogue. Ah, je vous c'est le dirai pas. Ouais, je vous le dirai pas. Ah oui, puis moi, j'ai pas que ça fout de la dot. Ah, mais oh, oh, oh. Attendez, on a une magnifique église ici. Qu'est-ce qu'on irait faire à votre synagogue? Oui, c'est ça, oui. L'église, là, elle est bien morbide, hein. Comment ça, elle est bien morbide? Eh oui. Pardon, la maison du Seigneur est un endroit somptueux, accueillant et chaleureux. Mais c'est dommage qu'elle soit vide et qu'il n'y ait pas de prêtre dans le coin. Oui, bah oui, oui, c'est vrai, on me le dit souvent. Depuis que je suis arrivé, beaucoup de personnes me disent oui, que ça manque de pasteurs. Bah, il me semblait bien. Il y en a un en ce moment, là, vers Blackwater, non? Enfin, l'église là, qui est entourée de familles de pumas. Comment qu'il s'appelle? Ah, on m'a parlé effectivement d'un duo de pasteurs ou de prêtres, on ne sait pas. Oui, ils étaient deux, mais apparemment, ça fait depuis plusieurs semaines qu'ils sont sans nouvelles. Ah bon, d'accord, parce que ouais. Je crois bien qu'il y a un mois de ça, j'avais vu qu'il y avait peut-être des mèches à Blackwater, en pleine Sylvanie. Mais bon, j'étais un peu loin, j'avais pas de cheval, tout ça. Au Blackwater, il y a que des mèches noires. Hein. Quoi? Et quoi? C'est chez les sauvages, là, ouais. Pardon? Les routes sont pas très pavées. Hein. Oui. Des mèches, c'est moi. Des mèches noires, qu'est-ce que vous chantez? Ouais, des mèches noires, quoi. C'est quoi, ça? Ouais, de l'hérésie, quoi. Encore un coup des juifs. N'importe quoi. Et Dom Hélène va falloir vous calmer. Hein. Sachez que celui qui gère votre recrutement et votre test d'évaluation physique est juif, hein, malheureusement pour vous. Ah, c'est vous? Ah, ouais, je croyais qu'il était juste français. Je croyais que c'était Racine. Chérif Racine. Non, Racine, il regarde. Moi, je serais juge de votre capacité. J'ai une chose, c'est que j'adore le judaïsme. Ah bon, vous avez changé de discours, hein? Mais je n'ai jamais dit que je n'aimais pas le judaïsme. Mais respect, moi, je déteste ça. Ouais. Sombre enculé, Racine. Mais respect, Vous allez bien? Calme-toi. C'est bon, c'est pas charmant. Sombre merde. Quoi? Elle me déteste. Alors? Parce que je suis juif, c'est tout. Ouais, mais c'est pas la dernière, c'est pas la première. Qu'est-ce qui est fou, là? Bon alors? Oh, elle a pas entendu, mamie, il faut rentrer! Ah, mais vous me l'avez pas dit! Si. Ah, pardonnez, j'ai pas entendu dehors! Ah, je l'avais dit dehors, mais c'est pas grave. Ah, très pardonné. Ah, ça commence très mal, hein. Vous êtes pas la première malentendante du bureau, vous inquiétez pas, il y a Nestor. Ah, bon, ça me rassure alors, c'est vrai que je suis un peu dur de l'oreille. Ah, c'est pas grave. Bon, vous avez les cartouches là avec vous là pour votre fusil? Ah, oui, j'ai quelques cartouches, sur moi j'ai une petite cinquantaine. Ah ouais, bon, on va aller tirer plus. Derrière, là-bas, si vous savez tirer. Je vais accrocher les cibles. Non, c'est bon, on va tirer sur l'arbre. C'est bien. Ah bon. On va tirer, madame Fuisman. Je me rappelle jamais de ça, non? Ouais. Ça va dormir debout. Fuisman. Premier test d'attitude physique. Allez-y. Vous pouvez m'aider parce que j'ai une jupe. Non. Ah non, c'est un test d'aptitude physique. Hein. Ah. J'ai réussi à la sauter. C'est bien. C'est bon, elle est passée de l'autre côté. C'est déjà ça. L'important, c'est le résultat chez nous. Oui. Ah, ça me plaît. La manière. Nestor, il est tellement con et perfectionniste qu'il aurait commencé à démonter la barrière puis la remonter après. La manière, on est moins regardant. Ah. Ah, on va pas se mettre devant. Hein. Très bien. Bon. Sortez. Ah Nestor, tu n'es pas convié. Tu n'es pas avec nous, Nestor. Un jour. Feu. Oh. Feu. À droite, feu. Feu. À gauche, feu. Petit rejugé. C'est rare. Petit rejugé. Allez-y. Laquelle? Oh, n'importe où, tirer. Eh bien. Eh, vous avez vu? Encore un gilet des doigts. C'est une fine gâchette, pas la tremblote, moi. Il y a de la bouteille. Et encore, j'ai pas bu. Bah, c'est bon, vous êtes recrue au bureau.
Attendez, vous avez quel âge? Monsieur Vatan. 51. Ah, c'est bon, vous êtes prise. Non, arrêtez de compter. Non, il faut pas venir voir. Comment ça, vous avez perdu 50 dollars? Non, j'ai fait un pari sur qui tirer. Vous allez bien, monsieur Racine? Mais c'est vrai, moi, c'est Goldstein, mais moi, je sais pas. Mais Goldstein, il y a monsieur Racine, il y a monsieur Nestor, il y a beaucoup de monde. Mais il y a madame Atkins aussi! Oui, madame Atkins. Ça bien, remis de la chute d'hier soir. Hein. Oui, remis. On va y aller, on a des choses à faire. Oui, on va vous laisser tranquille, messieurs. C'était juste pour vous passer le bonsoir, en tout cas. Ah, bonsoir. Ton prénom, déjà Michael. Michael et Mike. Ah, je peux ranger l'arme. Allez, bonne soirée, messieurs les shérifs. Ranger l'arme. Ah, voilà, j'attendais l'ordre. Pour Napoléon, chargez. Quoi? Allez, pardon, bonne soirée. Oh non, encore! Allez! Allez-y! Oh quoi, Tibbs? Ah, il y a du mieux là! Ça va! Et c'est presque rattrapé! Ne marchez pas sur l'épaule! Non mais oh! Voilà, c'est bien! Bah, on va lui acheter des vêtements! Pourquoi? Il est pas bien comme ça! Non, c'est, ici c'est le stream de Racine, les refs! Ma petite nièce m'a dit que c'était pas vraiment chérie! C'est qui déjà votre petite nièce? C'est. Madame Von Rock! Parce qu'en plus, j'ai racheté des vêtements que j'avais avant exprès. Hein. Cette année, c'est Madame Van Rock. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Van Rock? Toutes mes félicitations. Mais, écoutez, moi, en première vue, j'aurais dit que c'était une bourse molle, hein, parce que bon, après le mariage, ça fait quand même depuis quelques semaines. Bourse molle. Toujours rien. Toujours rien du tout. Bourse molle. Il n'a pas consommé. Bah, si, apparemment, si, mais bon, il n'y arrive pas, le bougre. Il a du mal. Et moi, je sors juste en dessous, je peux vous dire, j'entends tout. Bah, du coup, non, vous entendez rien, quoi. Mais vous entendez rien, plutôt. Vous dormez bien, quoi. Ah bah, sur vos deux non, oreilles. Justement. Moi, j'aime quand il y a du bruit, ça m'endort. Ah oui, vous êtes un peu bizarre, hein. Non, mais quand il n'y a pas de bruit, c'est suspicieux, c'est pas normal. Vous êtes un peu une vieille folle, hein. Ah bon, ouais, c'est comme ça qu'on m'appelait chez les orpailleurs. Ça me plaît. La folle au Springfield, qu'on m'appelait. Ah, mais c'est bien, ça. C'est un point de Joseph. J'aime bien, mais il est où le Springfield? Mais le Springfield, mon connard de mari, a se foutu la malle avec. Salopard. Bon, c'est vrai qu'on vous achetait vêtements, tu ressembles à une pécore un peu. C'est vrai que pour Saint-Denis, bon, je peux comprendre. Vous remarquerez que dans ce bureau, nous sommes très élégants. Effectivement, il y a une tenue vestimentaire. Je pourrais à la... Non, il n'y a pas de tenue vestimentaire. Tant que vous êtes... Oui, mais vous êtes assez compatibles au niveau chacun... de la vie, vous deux. Ah oui, mais ça, c'est normal. Ouais, c'est on est amis depuis plus de 25 ans. Il faut que j'envoie un courrier à ma petite nièce pour préparer une petite tenue. Bah, on va y aller, là. Ah bon? On va y aller maintenant, hein. Oui, mais vous êtes des hommes. Non, mais on ne vous regardera pas, mais voilà. Ah oui. Ah bon. On va pas attendre deux jours pour vous aider d'habiller. Bien sûr. Bah, elle était dans les parages tout à l'heure, peut-être toujours dans le coin. Oui, voilà. Je vais lui dire que je vais à Saint-Denis changer de vêtements si elle veut venir me voir. Ah oui, non, bah, on va pas commencer à ramener toute la population, hein, madame. Hein. Mais non, mais c'est juste ma petite nièce. Si vous voulez que je sois habillé convenablement, c'est préférable. Regardez mes goûts. D'accord, oui. Très bien. Nestor. Bah, on aime rester un truc chéri. Attendez, j'appelle ma Frida. Nestor. Eh oui. C'est quoi ça encore là? C'est quoi? Pourquoi on a un sac à patates toujours au Hubert encore là? Oui, c'est ma douce Frida. Pardonnez. Hubert, dis quelque chose, je t'en supplie. Ah ouais, je comprends rien du tout. Mais... Oui, Frida, qu'elle s'appelle. Oui, c'est changé encore ce con. Ça peut plus. Ça peut plus. Oui, Milwaukee, c'est bon. Bah, José, viens voir. Oui, reste Denver. Il y a juste du marché aux amis qui sont partis ou je rêve? Ils sont partis où? Avec une charrette là, Saint-Denis. Tu veux que j'aille voir? On va y aller voir. Vas-y. Je prends une étoile. Tu peux des chevaux et tu paies madame, on va aller à Saint-Denis nous pour s'occuper de la. Madame, je fais quoi avec madame? Ben tu les faut, chevaux. Faut payer rien de plus. Il est prêt, mon cheval, c'est bon? Oui. Parfait, merci. Hubert, je prenne une étoile pour un petit, je crois. Non, rentre. Il est pas chez vous, Chantafé. Ah ouais, prends-en une, t'as raison. Eh ben oui. Eh, tu sais pas où il est pas chez le Chantafé. J'ai poussé. Hein. J'étais à Durgen, je crois. Mais je le vois plus. À moins que. Bon.
Oui, chez Denver, pardon. Ah, mais non, mais il faut le rapatrier aussi, merde. Ah, bah, je vais reprendre le rôle de chéri. Salut, Pépère. On va aller à Saint-Denis, tant qu'il termine de s'occuper des chevaux, et puis on vous attribuera les chevaux. Ah, très bien. En route golem. J'ai rebaptisé mon cheval Hubert. Hubert. Non, Hubert c'est Rachid. Mais c'est moi Hubert. Ah, c'est votre prénom. Oui, nous on s'appelle par nos prénoms. Ah d'accord. Enfin juste moi, entre Hubert et moi. Je m'appeler par mon nom. Ah, vous pouvez m'appeler Len. Vous savez, 25 ans en Afrique, deux hommes, ça les change. Hein. Ah bon? Eh oui. Allez, je vais me mettre à gauche. Vous avez quoi? 25 ans en Afrique tout de même. Parlez-moi un peu de vous, Hélène. De moi? Oui. Moi, vous savez, ma vie... Qu'est-ce que vous avez fait un peu, là? Elle est assez banale, assez nulle, si je puis dire. J'ai passé une trentaine d'années à être employeur avec mon mari, du coup, vous savez, auprès de la rivière, entre Strawberry et Blackwater. Je vois. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici, là? Alors... Disons, d'où vient cette affection pour la Lausanne? Alors, je me suis fait virer. Du coup, on s'est retrouvé un petit peu dans la rue avec mon mari. Oui. Pendant quelques années, on s'est baladé un peu à droite à gauche à la recherche de nos 12 enfants. Et disons... Putain, une vraie usine là-dedans. Hein. Ah bah écoutez, à votre avis, pourquoi j'ai plus de sel? Pas besoin. Ah oui. Faites gaffe de pas avaler le cheval. Hein. Oui. Enfin bref. Et disons que j'en étais où? Ah oui, j'en étais, on est parti. Et après du coup je suis revenu quelques années plus tard, parce que j'ai un certain amour tout de même pour la Pennsylvanie. Mais quand j'ai vu ce que c'est devenu, ah c'est honteux. Et bon, disons que ma deuxième terre a toujours été la Lausanne. Alors bon, je me suis Roger. Dit papa. Hey. Avec nous. Je vois. Je vais aller avec Madame Hélène là, pour voir sa tenue. Là. Ouais. Et vous, vous avez pas trouillé, vous deux. C'est ça. Et la dame Williams, là, ça s'est passé comment? Ouais, elle a gueulé, t'as traité de con, je lui ai dit de s'excuser. Le cheval et tu l'as repris. Mais si, elle m'a dit de le reprendre à partir du soir. Ah, elle devait l'expertiser avant, apparemment. Ah vous, non mais elle est coupée de bombe à boule, cette bonne femme. Ah écoute, laisse tomber, c'est du passé. Oh là là. L'histoire est réglée. Elle m'avait dit de la ramener si elle se sentait pas bien. Ouais, c'est pas grave, c'est des fois les bonnes femmes. C'est donné la plaque, Hubert. Sauf votre respect, bien sûr, Hélène. Non, vous inquiétez pas. Vous êtes une femme d'expérience, c'est différent. Ah, bien sûr. Ça va pas potouiller en yann, quand même. Mais j'espère que vous allez m'en apporter aussi, en tant que shérif. Bien sûr. Allez, on va aller. Viens avec moi, l'histoire. Roger, viens avec moi. Hein? Et non, patrouille. Hein? Les connards du marché aux invités, ils sont partis avec une charrette, apparemment. Pour ouvrir les yeux. Ouais, vers ici, ouais. Je sais pas si sont à Saint-Denis, mais... Ouvrez l'œil. Hein. Je sais pas quoi, parce que comment il y a chaud avec l'autre Moshberg, hein. Et qu'il est... Moi, celui que j'avais oublié en balaye. Oh là, on est au Bayou, on lui a montré ce que c'était le respect. Et alors, il a compris? Ouais, je pense bien, oui. Ah, parfait. Il a intérêt à avoir compris, hein, parce que si t'as rien à droite, oui. Maintenant. Ce serait dommage de l'emmener en balade régulièrement, quand même. Oh bah nous, c'est une fois, la deuxième fois, on part en balade, il est pas sûr de revenir. Hein. Ah, Le casino va bientôt ouvrir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et il m'a rendu. Comment? Chef.
fait rien. Qu'est-ce qui vous fait rien, monsieur? Rien du tout, monsieur. C'est votre cheval. Je suis là, mon cheval. Il est un peu trop bu, monsieur. Excusez-moi. Pardon, j'allais m'étouffer. Ah, je suis à niveau 1. Ah, d'accord. Mais non, ouais, mais... Allez, oui, parfait, voilà, j'ai trop bu. Y'a pas de soucis, monsieur. Mais oui. Tout se passe bien, messieurs, sinon. Oh bah oui. Bon, bah tant mieux, alors. C'est que vous faites bien votre travail. Bah, bien sûr, ouais, 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 on s'assure de la tranquillité vers là où il y a de la vermine, hein, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas de vermine. Hein, il n'y a pas de vermine dans le saloon. Ah non, bah, bah il est fermé, là, monsieur. Eh oui, bah c'est bien pour ça qu'il n'y en a pas, oui. C'est très mal fréquenté ici, monsieur, dame. Ah bon, ah bon, pourquoi? C'est très mal fréquenté. Il y a des criminels notoires. Ça veut dire qu'on est des criminels, monsieur? Ah oui. Je sais pas si vous passez la porte, peut-être. Ah bah, elle est fermée. Eh ben oui, ben, une chance, hein. Ah, vous avez monsieur, raison. La Bastille, elle est ouverte ou pas? Ouais. Je sais pas, oui. Ouais. Elle est ouverte, ouais. Je vais aller mettre un petit message, comme ça on va faire concurrence. Allez-y. On va leur voler des clients, monsieur. Bon, après là-bas, c'est les nobles hein, qui vont l'avoir. Hein. Ouais, ouais, je pense pas qu'il y ait la même clientèle, ouais, entre nous. Ouais. Ah bah. Un alcool, c'est un alcool, là, monsieur, non? Ouais, non. Ça dépend de quel verre on le boit. Je vois que t'as vrai, pas bu du champagne français, hein. Ah non, c'est trop cher, monsieur. Eh bah oui. Eh oui. Je suis un orphelin, monsieur, alors j'ai pas les moyens. Oh, c'est bon, vous allez me le ressortir à chaque fois. Ah oui, bah, si vous voulez une petite pièce pour moi, monsieur. Hein. Oh non, c'est bon, j'en ai marre. Arrêtez de faire le mendiant. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Quel bon je suis là. Eh oui. Manon. Monsieur le shérif Roger, c'est vous? Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais. Très bien, très bien. Bonsoir, monsieur. Alors, ça dit quoi de bon ce soir, monsieur Roger? Ouais, pas grand chose. C'est plat, c'est calme. Ouais, mais à part qu'on dit de la merde sur moi, mais sinon ça va parfaitement, nous deux yeux. On dit de la merde sur vous? Ouais. Qu'est-ce qu'il se raconte? Ah, de la merde. Ça vaut pas le coup de l'entendre, sinon vous allez chier des oreilles et chier par la bouche. Très bien, très bien. De la merde. Eh ouais, je pense avoir plus alors. Ah non, vous voulez pas, c'est moi qui vous le dis. Courage, monsieur le shérif, courage. Ouais, merci. Merci, hein. À vous allez. Aussi, hein. Bon travail, je vous embête pas plus longtemps, monsieur. Bonne soirée par chez vous. Bonne soirée à vous aussi. Et on va passer devant la Bastille tout ça. Ils sont tous cons, les chevaux, quoi. Il a voulu faire une pirouette au cheval. Le problème, c'est souvent le cavalier, Roger. Ouais, mais d'habitude, c'est pas le cas. Hein. C'est vrai quand c'est Nestor qui est dessus. Ah oui, bah oui, si c'est... Ah ouais. On dit souvent que le cheval de Nestor, c'est le plus con du bureau. Je sais pas si c'est une brave bête intelligente. Hein. Bah, j'en suis convaincu. Ouvre l'œil, hein. J'ai un vide. J'ai envie de démanteler ce petit réseau de trafiquants qui réside dans le marché aux Envieux. Je pense qu'il faut aller du côté du quartier industriel. Peut-être des choses qui soient là-bas, s'ils soient à Saint-Denis. Ah oui, tu penses. On vient faire du tour, c'est alors. C'est possible. Enfin, ils vont peut-être vendre leur mec dans d'autres côtés, je sais pas. Je sais pas, apparemment, Hubert, il les a vus aller par là. Ah, d'accord. Okay. Au revoir, hein. Vers la Rashford.
Ouais, on va longer. On va longer les quais. Et là, ils ont pas peur, hein, ils laissent leur charrette en plein milieu des rails. C'est vrai qu'ils sont complètement accouchants. Ouais, viens, on va vers les industries là. Ouais. À quel âge, Gabriel là? Je peux pas le dire qu'elle a 51 ans, moi j'y crois pas. 51, ouais, putain. Oh bah oui, elle a plus, elle a arrêté de compter. Elle a fait de la forêt. Eh oui. Ouais, d'où j'étais ça là? Une vieille folle, hein. Encore plus défraîchi que l'histoire, c'est pas possible. Eh oui. Oula, oula, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien, ouais. Ah, je suis pas au cheval. J'ai pris pour un oiseau ou quoi? Pas grand chose, Ah, faut écouter Rashford là, derrière. Derrière l'usine de coton. À droite là. Ouais. Si j'ai vu l'autre troukine à faire des trucs bizarres. Y a pas grand monde. Hein. Ouais non, effectivement, je suis un peu bizarre. Ouais. Oui, on remonte par là. On va aller voir si Berg il a fini. Il y avait une bonne femme, ça va être une heure. Ok, elle est vieille, hein. Oui, il y a pas. Bah, justement, elle voit pas bien. Bah, justement. Elle encore plus longtemps. Ah, ça double trois fois, je pense. Soit ça met deux fois plus longtemps parce qu'elle voit rien et qu'elle veut absolument des trucs précis. Ou soit ça met pas longtemps du tout parce qu'elle voit rien, du coup, elle s'en fout. Mais il nous reste un cheval. Bah, oui, le cheval des mille, en fait. Ouais. Le bien, je dois pas le prendre donc. Pourtant, elle avait l'air d'aller mieux là, je vois. Je suis encore là. Je vais voir si je vais tout finir. Viennent d'où tes émotes pépé là? Ah si. Ah oui oui. Mais je suis d'accord, j'ai l'impression, oui. Ah oui. Comment vous me trouvez? C'est très bien. Un défaut que je suis alors. Blanc bec, c'est moi que t'insultes comme ça. Oui, aussi. Allez-y, je prends tous les commentaires. Ah, mais j'étais en train de pocher, c'est peut-être pas l'idéal de mettre une robe, là. Comment? Mais vous inquiétez pas. De toute façon, dans tous les cas, moi je cours pas après l'ennemi, moi je lui tire dessus. Ouais, mais ça, ok, mais bon, pour mon cache-face, c'est pas l'idéal.
Mais non, mais je me mettrai sur le côté. Mais croyez-moi, ouais, un homme qui court, c'est qu'il est coupable. C'est une femme d'expérience, c'est ce qu'elle a... Alors, pas, mais voilà, je veux questionner seulement. Vous parlez des jupes, vous. Vas-y. Ah, moi, non. Hein. Bah alors, qu'est-ce que vous savez qu'une femme, elle a du mal sur un cheval? Ouais, ouais, vous allez vous détendre, la vieille. Oui, ils s'entendent déjà, hein. Mes filles. Bon, alors, c'est pas trop ça, les coins. Y'a rien. Y'a rien. Casino va ouvrir dans une demi-heure. Et c'est tout, ouais. Vous avez quel âge, vous, d'abord? Moi, 51. Ouais. Enfin, j'ai arrêté de compter à 51, surtout. Ouais, j'ai fait voilà, combien de temps, 20 ans? C'est ce que j'ai dit, ouais. Et je sais plus. Ah ouais, non, parce que je vous assure que vous n'avez pas 51 ans, bien, bah, sur votre respect. C'est, oui, je sais, on me dit souvent, j'en fais 30. Ouais, c'est ça. De plus. Non, 30, oui, de plus, hein. Ah bah. Bon, allons-y, en gros, dans votre coin, je crois. Vous avez au moins l'âge de Nestor, hein. Oui, lui, il a une petite soixantaine bien tassée. Ouais, il a 64 ans, moi j'en ai 62. Ça joue, ouais. J'ai 62. Ouais, ouais. Bah, vous voyez, vous faites un petit peu moins. Ouais, je suis ouais, c'est parce qu'il a pas encore souri qu'il fait un peu moins. Ah, ouais. Ouais, c'est parce que vous connaissez pas le travail, vous. Ah, si, on le connaît bien. Moi, si, si, on connaît bien le travail, on connaît très très bien. Ouais. On a longtemps observé. Oui, on regardait souvent, oui. Bon, vous préférez quoi comme cheval? Oh, ben, elle est bien sur Chaudac, hein, voilà. Mais c'est un âne de compète, ça. Mais écoutez, pourquoi pas, oui, une belle monture. Gardez-le, alors. Je n'ai pas, je vous avoue que je n'ai pas de préférence, mais quelque chose de pas trop haut non plus, j'ai peur de ne pas réussir à monter. Ah bah, on est du même avis. Bah, celui-là que j'ai actuellement, c'est pas le bien, je crois qu'il est aperçu, le Rachid. Ah, il est auto. Ah bon, bah, Nestor, il m'a dit que c'était pas auto. C'est pour transporter des charges lourdes, ça, je reconnais. Après, est-ce que Nestor... D'après le cahier, c'est pas auto. Ah oui. Est-ce que Nestor a déjà dit quelque chose de bien? Ça lui arrive, hein. Une fois de temps en temps, c'est un peu comme une éclipse. C'est lui qui fait la logistique, hein, qu'on veut ou non. C'est l'intendant, hein. Eh oui. Grâce à lui, Otto s'est fait voler tout son... tout son pactage, hein. Enfin, Otto, il s'est bien débrouillé tout seul, quand même. Non, mais... Si Nestor n'avait pas fait l'intendant, eh bien... Ah bah, si les sacoches sont vides, c'est sûr qu'on peut rien voler. Ben oui, oui. Mais bon, voilà. Oui, je plaisante, bien sûr. Oui, c'est quoi le petit âne? Allez, trois connards. C'est les moches bêtes d'hier, ça. C'est les Wheaters. Les Wheaters, ah, là. Ah, on m'a parlé un petit peu d'eux, oui. Ouais, on m'a dit de les éviter. Les connards. Ils prennent la bouche de cheval, la pêche de cheval. Ça, c'est de la petite vermine, ça. C'est du vermisseau. Ouais. Je sais croiser quand c'est hier ou avant-hier, il s'amusait à frapper un homme qui jouait de la musique dans la rue. Ah bon. Et où juste ça? Devant le bureau de poste. Eh ben voilà. Eh ben. Ils ont tapé le vieux qui joue son harmonica, là. C'est pas de l'harmonica. Ouais, le truc qui fait gling gling, là. Il fait dong dong. Ouais, dong dong, oui. J'avoue, bougez là, je crois. Petit tailleur qui connaît Roger. C'est un coin, un zouzou, j'ai là. Dis tout, ton village. Au nord-est de Saint-Louis ou quoi? C'est quoi comme instrument, tu m'as dit, Roger? Ah, vous bougez là. Ah bon? C'est sûr. Eh bon. Ouais. Je connais aussi les Zoulous là, ouais. Ça, ça va sûrement venir du Tex-Mex, ça m'étonne pas. Et les Zoulous, le reste. Dis quelque chose, toi, Joseph? Non, hein. Ça a toujours été compagnie, ça. Par où on a habité, c'était plus le tam-tam, hein. La campagne profonde. Après, c'est un bout de bois, un bout de corde, je crois. Attends, Roger, quand il est loin, j'ai l'impression juste d'entendre quelqu'un grommeler. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? C'est qu'il fait pas chaud, hein. Ah, bonsoir.
peux mettre ma petite Frida ici? Bien sûr, bien sûr. Parfait. Bon alors, Hein? Yeah. Alors, tanky. Hop là. Bon, à quoi il ressemble? Tu penses, hein? Je suis de Roger. Il est costaud. Je suis que Roger vient de sortir, hein. Ouais, mais c'est celui-là. C'est mon cheval du remplacement. Good morning to you. Et celui-là? Mais c'est un cheval de sauvage, ça. C'est quoi cette crête? Ouais, oui, ouais, dire, on y peut rien. Il ouais, vous voit bien. Il vous voit bien. Après, vous pouvez Santa le refaire. Fée. Oui, vous pouvez le refaire quoi faire. Vous allez avoir du mal à monter dessus, vous allez vous casser une hanche. Bah, c'est ouais. Très bien. Mais dans tous les cas, je passerai à l'écurie pour essayer de le laisser pousser ouais. Un petit peu. Hein. À votre truc. Ouais, un coup de paye, c'est réglé. Oui. Attendez. Oui, oui, doucement. Quel irréglable. Ouais, doucement, cheval. Ouais, tu vois. On arrête la charrette là. Je vais vous donner une pierre de jumelles, un arceau. Hubert, j'arrête la charrette ah, ou quoi? Ah, l'arceau, j'ai déjà. Ah oui, une pierre de jumelles. Tiens. La charrette. Hubert. Quoi? J'arrête la charrette ou quoi? Bon, elle doit être vide. Hein. Non. Quoi, c'est une autre fois. Venez, petite dame. J'arrive. Là, je vous ai entendu là. T'as vu la rouquine ouais. Passer? Oui. C'est elle, je crois, le jour qui a arrêté. Ok, elle est avec eux, donc ouais, il devait refiler de la cam à chaque bille. Hein. Je pense, hein. Putain, il a pas vu. Je sais pas à quoi ça sert. Non, je pense pas qu'ils étaient à Saint-Denis, Roger. Bah, je sais pas, ils sont venus de là-bas. Ouais, d'accord, mais peut-être qu'ils viennent de conclure une affaire et peut-être qu'ils sont revenus avec de la. Ah, ouais. De la merde. Ah, c'est possible. C'est un nid, moi j'ai rien vu. Mais bah, toi aussi. Bah, non plus. Bah, voilà, j'étais bien caché. Parce qu'on a pas vraiment été regardé dans le fin fond du bas quartier. Ouais. Après, t'as vu combien ils étaient. Moi, je sais pas, on a de nos rejoues au bain. Oh, les sales bêtes. Venez, on écrit l'heure à laquelle on arrive pour que les autres shérifs soient au courant de qui est dans le coin ou non. Ouais, du coup le shérif Rachi est jamais dans le coin. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Ouais. Ah, attendez, mais non, m'a pris, je l'efface, m'a pris. Franchement, ça sert à rien, le faites pas. D'accord. Ça, c'est le téléphone. Fake. Ça, c'est le téléphone. Ça, je sais pas m'en servir. Très bien. Là, ça, c'est pour récupérer votre sol. D'accord. Une petite montre là. Hein. Et quand vous êtes en service, voilà. Remplir la gourde. Morning. C'est noté. Voilà. Bon, alors posez votre fusil dans le coffre là et prenez un cattleman. Prenez un cattleman ici. Hein. Just taking it one day at a time. Gentlemen, et puis quand vous aurez un peu plus. Ready to lose them teeth. Aïe. You've asked for your end. On vous donnera le mal. Ah,
Ah bâtard. Bon, je vais. Hop là. Merci. Tu fais quoi les trains, je vais, hein? Tiens. Allez, fais Jojo, colle à mon petit frère. Oh, oh Varjo. J'étais dans mon élan, excuse-moi. Oh putain. Ouais, c'est bon, j'ai pas frappé si fort. Je suis raffu, hein. Oh, c'est vrai, c'est quoi ce raffu? Il est cavalé sur les rails. Putain, oh. Attends, je... Oh oh. Sur les rails, c'est couillon. Je vais voir le Wii, je vais l'acheter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Wolf. Comment ça va, shérif Goldstein? Eh oui, je vais bien, merci. Et vous? Je sais pas, vous avez l'air un peu condescendant. C'est vous qui passez sur les rails comme qui faites du raffut, là? Pas du tout. On l'avait passé, c'est des hommes en noir avec un masque. Ouais, avec plein de masques. Trois personnes, ouais. C'est maintenant qu'on me le dit. Ils sont partis vers vous. C'est pas vrai, c'était nous, c'était nous. Vous êtes des inconscients, je m'en vais. Partez pas chez... Oh, bah, si tu vas... Ah, bonsoir. Oh, heureusement qu'il y a madame Marley. Vous allez bien, madame Marley? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis ça, je dis rien, elle porte un pantalon racine. Ça va et vous? Bah ouais, ça va, ça va. On a beaucoup de chance. Vous voulez qu'on vous présente un nouvel recrue? Ouais. Shérif recrue. Oui. Je vous présente la pire crapule de Rhodes. Bonjour, je vous suis la plus grande bandite de toute la Lausanne. Attendez, je descends parce que je vous vois pas d'ici. C'est moi, c'est Tracy Wolfson. Ah, Wolfson. Ouais, oui. C'est ça. Enchanté. J'ai tous mes frères et sœurs, on est des bandits. Rajeunir, hein. Ah bah, oh putain. Ah, bah c'est sur les chevaux. Il recrute que des jeunes bien prêts au combat. Comment? Elan Harkins. Elan Harkins. Comment? Hélène Atkins. Hélène. Le chaudier à peau. J'avais entendu. Je n'ai pas de temps avec Miss Wolfson. Surtout qu'il y a plein de connards qui parlent là. Je vous emmerde, Tracy Wolfson. Je vous aime aussi, chef Goldstein. Allez, on y va. Je vais chaudier. Fais pas ça, Roger, fais pas ça. Je vais chaudier. Chaude, chaude, chaude. Oh. Dieu, mais il est agile, celui-là. Le cirque nous arrive. Ah, je le ferai pas deux fois. Je viens de se déboîter les deux épaules. Qu'est-ce qui se passe là-bas, oh mon dieu? Les chasseurs, c'est des bouchers. Mais c'est un chasseur. Un chasseur qui est habillé chic. Il est arrivé, il a mis des coups de couteau là, la pauvre bête. J'ai oublié ma paire de jumelles à l'office. Hélène. Eh, bonne soirée, la miss. On m'a appelé, oui. Hélène. Oui, c'est moi, oui. Je vous ai pas présenté mon flair Kifford. Allez, on y va. Oui, c'est mon frère. Son cœur est à prendre. Bon, Tracy, arrêtez de nous emmerder. J'entends rien. Ah oui. Clifford, est-ce que vous pouvez un petit peu recadrer votre cœur? J'ai jeté l'éponge, shérif. Ah oui. Depuis déjà fort longtemps. Bah, jetez-la avec l'éponge, au même endroit. Je vous laisserai la recadrer si vous le souhaitez. Aïe. Oh putain. Allez au bureau, allez, suivez-moi jusqu'à le... Oh putain. Arrête, oh, putain. Tracy, allez, on y va. Barrez-vous. On se barre. Oh là 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 là, la vie vermille. Il est où ce con là, Dubert, hein? Quel incapable celui-là. Il est au bureau, je crois. Oh, barrez-vous, vous, là. Oh. Store.
Non. C'est la pire catin de ce bourg. Il n'avait pas l'air d'aimer vraiment, shérif. Je n'aime personne, en fait. Allô, à Saint-Denis. Sauf Hubert. Hubert, qui est mon frère, d'ailleurs. Hein. Ah oui, oui, parce que j'aurais pu se poser des questions. Non, non, c'est pas mon frère. Ah oui, vous trouvez qu'on se ressemble? Attends, j'ai problème à manger, j'ai plus rien. J'espère qu'il reste des trucs. Personne s'attaque au shérif. Ouais, des petits magouilleurs, je pense. Je pense, honnêtement, Hubert, je pense qu'il venait de terminer une transaction, ces cons-là. Hein. Oui. La charrette, là, qui est revenue. Ouais, écoute. Parce qu'on a vu rien sur Saint-Denis. On verra. Hein. Allons à Saint-Denis, on va essayer de retrouver Nestor. Parce que la grave menace, c'est quand même ces foutus Mexicains. Ce qu'ils ont fait là-bas, en pleine Sylvanie. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors en pleine Sylvanie? Ils ont brûlé le tracker s'ils ont tiré sur les shérifs encore. Ah bon? Ouais, mais ça, il l'obéit. Il y a les Black Outlaws aussi, hein. D'ailleurs, je vais passer à la mairie pour parler à madame la maire à propos de ce qui s'est passé. Vas-y, bonne soirée, hein, bonne nuit. Ah, t'es pour quoi? C'est mon ref. On a FBC, je vous ai dit, on a fait un convoi de saisie là avec tous les FBC. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire, madame la maire? Ben, madame la maire, elle veut connaître la situation. J'ai envoyé un courrier pour lui dire que c'est hors de question qu'il rejoigne les Rangers, la CP Corps. Et du coup, j'ai rencontré tout le monde au sein du bureau, il y en a encore. Non, il en reste un. Ou deux. Il y a un Mexicain aussi dans le bureau. Ah, on m'a parlé d'un Mexicain, oui. Et Otto aussi. Et Otto. Un Prussien, oui. Et d'ailleurs, notre cousin, il va arriver demain, normalement. Ah oui? Oui. Je m'en dirai, attends. Oui. Comment il s'appelle déjà? Bouche. Comment? Bouche. Oh non, c'est pas le chasseur de primes, là. Ah non, bah non, il s'appelle Bruce Colton, mais il est pas dans le dépôt du coin, hein, tu le connais pas. Hein. Ah, il m'a fait peur. Il est pas encore arrivé, là. Si tu en allais revoir sa trône, là, je me suis dit, oh là là. C'est quoi ce surprime, là? Tu veux pas reprendre Miller? Oh non. Ah, Miller, des meilleurs éléments du bureau. C'est un putain de boss merde, tu le déteste. Je préfère Jurgen à Miller. Vous remarquerez, Hélène, qu'on est très franc au bureau, hein. Je sais qu'il est serveur... Il est serveur à Armadio, au fin fond du désert, c'est un culé, tu savais ça, Roger? Ouais, je savais, ouais. La dernière fois, il nous a servi un verre, c'est juste qu'il a craché dedans. Ouais, il nous a vu, ça lui a pas fait plaisir. Je crois qu'il a craché dans le verre, hein. À un moment donné, il s'est retourné, c'est assez ouf. Bon, en même temps, vous le méritiez. Eh oh. Le Roger, tout de même. Bah oui, tout de même. Ou du moins, je croyais qu'on disait ce qu'on pensait. Mais oui, je suis outré, José. José. Ouais. Tu vois, est-ce que je vais te rappeler Nestor, hein, parce que là, tu le mérites. Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, par contre, Nestor, là, il se fout un peu de nous, quand même. Hein. Bah, il sait très bien qu'il y a des outlaws black là qui attrapent des chiens. Mais il est pas allé au casino, c'est un culé. Le casino, ouais, il a ouvert là. Ouais, s'il est allé au casino pour jouer, je peux te dire celui-là, je vais m'occuper de lui. Bon, il a pas d'argent, je peux te dire. C'est vrai qu'il a tout perdu, après t'as tout gagné. Ouais, il m'a piqué de l'argent même. Ah, je pars là, madame la mère. Bonsoir. Et bonsoir. Oh, ma tante Nini. Bonsoir, bonsoir. Oui, parfait, oui. Oh, tante Nini, ça y est, vous êtes prise. C'est pas moi. Quelle bonne nouvelle. Bonjour. Vous avez dit de vous changer, même. Bonsoir. Rebonsoir. Oui. Et alors, vous voyez pas vos délicieuses trucs chinoises, là, vous? Ah, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, oui. Oui, ça va. Ah oui, vous avez des chinoiseries à vendre. Est-ce que vous avez les chinoiseries, là, les trucs, là, emballés, là, dans des... Ça fait des petits carrés, là.
Et puis, il marchait bon. Hein. Les trucs. Non. Oui, j'aime bien ça, mais. Bruit, et là, je pourrais vous servir que des nouilles. Oh non. Moi, j'en veux. Voilà. C'est tout ce qui me reste. Je veux des nouilles. J'ai faim. Joseph. Ça va? Vite, mais donnez-lui des nouilles, inconsciente. Mais ça. Ça fait plus Joseph, mais. Non, ça mais j'en flagelle. Tu veux t'asseoir? J'en tremble, Joseph. Ah, mais attendez, c'est pas. Mais attendez, il y a un deux monsieur Racine, là? Oh. Oh putain. Oh putain. Oui, c'est exactement attendez. Ça. Mais je vois double, moi. Eh oui. Eh oui. Bonjour, je suis Jean Racine, le frère de Hubert Racine. Ah, oh, bah, enchanté. Ah, c'est Shérif Jean Goldstein, pauvre tâche. Alors ça, c'est pas gentil. C'est vrai que c'est pas gentil, ça, Joseph. Mais c'est pas gentil de dire que je suis le frère de Racine. C'est vrai que c'est pas gentil, ça aussi. Je vous le dis, moi, que je vous confonds avec votre frère, là, ou je sais pas qui, là. C'est pas possible, moi, je suis une femme. Ouais, bah, vous ressemblez quand même. On va crever avant d'avoir des nouilles, hein. Vous en voulez, là? Oh, je vous donne 10 dollars si vous me donnez des nouilles, mais là. Oui. Voilà pour vous. Tenez. Merci. Après, ah monsieur Dan. C'est quoi, c'est un bout de pain de merde? Dis-moi des nouilles, là. Voleuse. Mais il faut que j'aille les faire au restaurant. Oh, vous me devez deux nouilles alors. Des nouilles, d'accord. Ça me va. Bah, venez, on va au restaurant. Oh. Oh. Ah, moi j'ai faim, ça tombe bien. Là. Bah voilà. Oh. Il va y avoir des odeurs encore au bureau. On peut pas travailler un jour, là. Alors, mais c'est pas comme si vous avez quelque chose à faire. Hein. Oh, alors vous. Mais non, mais oh. On va surveiller le quartier chinois par hasard. Ah, monsieur Racine. Oui. Oui. Je suis là. Bah, il est où? Il est là. Ah, monsieur Racine? Oui. Oui. Ah oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et on a un petit objet. Ah oui, d'accord, je vous vois. On a un petit objet pour vous à vous vendre. À voir? C'est quoi? Ah oui. Et bah, c'est un petit totem chinois très rare. Encore un étro. C'est vrai, ça? Ah oui? Montrez-moi ça, je veux voir. Eh ben, il est dans le restaurant. Et du coup, on s'est dit qu'un homme aussi prestigieux que vous pouvait collectionner les objets prestigieux. Et du coup, on s'est dit qu'on allait vous le vendre. Ah oui, moi, ça me plaît, ça. Ça rapporte bonheur, chance et richesse. Oh. Ah oui. Et c'est... Et... Oui, c'est beau, c'est bien, c'est déjà bien. Ah ouais, mais bah, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez pas un totem qui rend heureux, s'il vous plaît? Eh ben, il vous rendra heureux aussi. Mais pas tout qui rend heureux. C'est un sauvage qui collectionne les totems. Ah non, c'est un totem chinois. J'ai jamais rentré dans ce boui-boui. Eh ben, rentré, allez-y. C'est plus joli de nuit. Oh. Il y a une odeur. On est désolé, c'est un petit peu petit. Hein. C'est un peu petit, oui. Désolé, c'est un petit peu petit. Arrêtez de nous prendre de haut. Bah non, c'est vrai, c'est pas très grand. C'est vrai que c'est pas très grand. Je pourrais juste. Rentrer peut-être 12 fois à la chambre de, la Bastille ou peut-être 6 fois à l'office des shérifs. Hein. Je vais examiner le bâtiment s'il n'y a pas des choses louches. Il n'y a que ça des choses louches ici en chez les Chinois. Ah non, je ne suis pas louche moi. Tenez, 3 petites nouilles pour vous. Ah merci. Je vous sers des nouilles monsieur. Des nems. Non, j'ai que des nouilles. Des nems. J'ai que des nouilles. C'est quoi d'autre? Des nouilles. Vous n'avez rien d'autre? Ah non, j'ai que des nouilles. Vous avez une si grande bâtisse, vous n'avez pas des boissons spéciales de chez vous? Ah si, il nous reste de la liqueur de cerise ou de la bière chinoise. Je veux une liqueur de cerise, une bière chinoise, deux plats de nouilles. Alors, une liqueur de cerise, une bière chinoise, deux plats de nouilles. Ça vous fait 4 dollars, s'il vous plaît. Oh bah putain, ils se font pas chier. Oh bien! Regardez merci beaucoup. Et vous, monsieur Racine, vous voulez combien? Moi, je veux en boire. Une petite bière chinoise? Non, l'autre. Une liqueur de cerise? Ouais, la bière, j'ai déjà goûté. Voilà pour vous. Merci. Et vous, monsieur, vous voulez quelque chose? Ah non, c'est trop cher.
Oh mon dieu. Bah je vous fais un petit prix, une nouille, $1. Bah oui, c'est ce que je vous savez, moi je gagne pas. Ça réchauffe les liqueurs en peine, c'est. Ah oui, bah faut demander à Monsieur Racine de payer pour vous, c'est votre... Bah mais il gagne tout l'argent pour lui. Monsieur Racine, vous pouvez quand même payer pour votre chéri. Je vais vous donner $4. Qu'est-ce qu'il y a, Toc? Ah oui, mais il faut payer pour lui aussi maintenant. Oh mais j'ai plus rien. Mais vous êtes dur à rien faire, vous, là. Et bah faut peut-être demander à Monsieur le shérif Racine. J'ai un peu moins d'un dollar, là. Ouais, moi je suis Goldstein, moi. Arrêtez de m'appeler Racine 2, sinon je vous embarque. Bon, vous avez tout ce que j'ai. Bon, vous voilà. M'avez tout pris, tout. Vous avez le droit à une petite nouille, monsieur, voilà. Ah, merci bien. Moi, j'ai pas le droit à ma douille. Vous voulez une petite nouille? Ah, petite nouille. Vous voulez une douille? C'est $1, la nouille. C'est de la douille, hein, effectivement. Ah, bah, effectivement, oui. Vous en voulez du coup, madame? Oui. Ah oui, ah bah oui, je suis pas ce shérif, hein, depuis que je me suis fait agresser au bout d'un moment. Faut réagir soi-même. Vous êtes recru, calmez-vous. Hein. Oui, je suis recru. Ah, c'est pire que vous avez retrouvé les bandits ou pas du tout? Ah ben, bah, non, pas du tout, je sais même pas à quoi ils ressemblaient, depuis j'ai oublié. Et par contre, madame, c'est $1 quand même. Hein. Ah, mais vous voulez pas qu'on discute, ça vous dérange peut-être? On a les meilleurs. Mais non, moi j'ai besoin de l'argent pour faire ma comptabilité après. Il y a quoi derrière cette porte là-bas au fond à gauche? C'est le placard à balai. Un balai. Ah oui. Quelqu'un veut une petite bière chinoise aussi? Oui, pour combien elle coûte la bière chinoise? C'est $1. $1. Bah oui, c'est plus facile pour compter du coup. $1. Allez, si vous voulez, je vais le faire à 80 cents. Ah mais là, vous allez perdre vos coûts, là. Oui, mais c'est pas grave, tant pis. C'est pour vous faire plaisir. Vous avez beaucoup de clients? Oui, ça va. Un petit peu. Ouais, heureusement que vous êtes à Chandy, pas dans l'autre ville. Vous voulez une petite bière à 80 cents? Chez moi? Ah oui? Pas. Ah d'accord. Sur Roger. Et est-ce que vous avez vraiment besoin de l'infirmière ou pas du tout? Hein? Vous en avez besoin ou pas du tout? Pourquoi? Est-ce que l'infirmière dans le placard à balai? Alors ça, j'ai bien envie de voir ça, moi. Mais attends, c'est une shérif quand même, Marc. Allez, allez. Ça, vous avez fermé à nous un peu cabaret. Mais elle va détruire la porte. Oh, la porte, elle est fermée, c'est pas normal. Il y a un monstre dans le placard, allez, là. Ah, oh, qu'est-ce que vous avez foutu? Ah non, c'est Hélène, ça va. Heureusement, tout le monde est arrivé. C'est vous, c'est ça? Ah non, c'est la porte, elle reste bloquée. Et ça qui, ces chaussures qui t'a dit 39? Depuis quand les Chinois, ils mettent du 39? C'est les miennes. Ouais. Mais c'est suspect, tout ça. Ah bon? C'est mes chaussures quand je cuisine. Et où le... C'est où la bizarrerie, là, que je voulais montrer? Ah oui, c'est vrai. Attendez, je vais la chercher, j'arrive. Ça enferme des shérifs, sa chose du 39. Rentrez dans le placard, vous. Rentrez dans le placard. Vite, rentrez dans le placard. Vite, rentrez dans le placard. Rentrez dans le placard. Vous venez avec moi? Oula. Oh, fermez la porte du placard. Ah, attendez. Ah non. Écoutez-moi bien, vous. Écoutez-moi bien. Trois hommes vont se faire tabasser dans le bayou sur ordre du bureau des shérifs de Loujane. Personne ne vous croira jamais. Ouvrez la porte. Rien compris. Que chien. Ouais, c'est pas si grand à l'intérieur, hein. C'est pas si grand, hein, ce placard. La salle est trois, oui. Ouais, y'a rien de fascinant, hein. Ça, ouais. C'est tout petit. Oh. Ah, c'est bon, je vous ai ramené la bizarrerie, comme vous dites. Ah oui, je veux bien voir ça. Atténue, voilà. Ça me régale de raconter nos plans à des mecs random. Je vous dis, ça va vous rapporter de la chance, du bonheur et de la richesse. Moins de voir. Ah oui, c'est $50. $50. On vous la fait à 40, si vous voulez. Vous l'avez déjà montré, ce bazar, dernière fois. Pour faire $10 de rabais aussi facilement, vous pouvez même la faire à 30, hein. C'est grand totem, hein. C'est le même bazar que vous m'avez montré sur le pont, là. Non, c'est pas la même chose. D'abord. Parce que j'ai chopé le mec là dans le truc et j'ai raconté nos plans. C'est quoi qui t'a gueulé, hein? Je l'ai pris, je lui ai dit, écoute-moi bien, il y a trois hommes qui vont se faire tabasser dans le bayou sur ordre des shérifs de Louzane. Personne ne te croira jamais. Et hop, je me suis barré. Ah, merci. Vous n'avez pas quelque chose de plus exotique, par exemple, je sais pas moi, un sceptre napoléonien? Ah non, j'ai pas ça moi. Ah. Est-ce que vous auriez une arme chinoise à me vendre? Comment c'est? Vous auriez pas un canon? Une arme chinoise. Ça s'appelle l'anglais. Ça s'appelle comment l'anglais? Et Monsieur Jackson?
Il a un sabre avant. C'est lui qui nous a volé le sabre. On avait le sabre, mais il nous l'a volé. Ah oui. Comment non, mais vous avez pas, vous qui faites dans les poudres à canon, tout ça, vous avez pas des trucs par chez vous à nous vendre? Ah non, moi, je vous achète ça reste une authentique arme chinoise. Ah bon? Vous l'achetez combien? Ouais. C'est pas trop les Wuzang. Je vous l'achète 5 dollars. Mais vous avez pas trop les Wuzang. Moi, je vous l'achète 400 dollars. 150, ça marche, allez. C'est moi, 400. Bon, alors, c'est quoi par contre? Et ce sera la surprise? Ah bah, dépêchez-vous. Vous mettez 150 dollars, vous avez dit? Moi, 400. Ah, vous en mettez 400? Parce que, comment dire, moi, 150. C'est un super arc sinon. Waouh, ouais, non. Je le laisse, Joseph. J'ai non, pas non, je suis bien payé dans ce bureau. Je passe. Gardez. Et bah, où il a chassé avec? Attendez, vous entendez ces cris dehors là? Oui. Ah bon? Mon Dieu, je pense que vous êtes en train de pousser le bureau. Ouvrez! 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 Mais restez avec nous! On aime bien votre présence, nous! On aime bien quand vous êtes là, surtout monsieur Shérif Racine! Vous inquiétez pas, vous prochez! Je repasserai, vous en faites pas, oui, moi, Shérif Racine! Vous repasserez, vous achetez un arc à 400 dollars! Ah, d'accord, avec plaisir! Ah, bah oui, j'imagine que c'est avec plaisir! Putain, je suis encore défoncé de leur liqueur de cerise de merde! Oui. Pour l'Empire. C'est la corne du général Racine. On va passer au casino. Ah oui, de base, on cherchait Nestor, je crois. Mais Nestor, il y a une grande chance qu'on le trouve au casino. Et ça ne te dérange pas qu'il y ait notre intendant qui joue au casino? Je sais pas, vous dites peut-être qu'on le trouvera là. J'avais qu'il y a une écureuil. Ça va le bleu, t'as pas vu des trucs qui est bizarre? Non, Dieu. Eh, tu te bon Dieu. C'est là, hein, non? Et c'est là, bien. On a raté la porte? Ça me bien. Pas grand monde, hein. Mais il y a des gens qui discutent. Non, vous pouvez miser si je m'abuse. Non. Ah oui. Marche bien le casino. Hein. Effectivement, il y a foule. On se croirait à l'église. Ah oui, bah oui. Il n'y a personne. Les synagogues sont bien plus remplies. Je serais curieux de la voir, moi, votre synagogue. Jamais. Une activité comme une autre. Ok, je fais le deal. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous avez arrivé à me rejoindre, messieurs. Ça travaille. Ouais, bah, les professionnels. Oui, Nestor. Mais il a pas l'air d'être ici, hein. C'est vrai. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Ah, le vieux Miles, alors, il s'est refait. Il est au casino. Ouais, vous voulez quand même rejoindre boire. Quoi, c'est vous qui tenez le boui-boui, là? Ça sent le renfermé, là-dedans. Ah oui, bah, c'est normal, hein. Il y a l'ordure de Miles, ici. La saloperie, hein. La ville crapule, hein. Le grand vermis. Le plaisantin. Le cloporte. Ah, oui, oui. Mais comment vous allez, messieurs, hein? Rien, écoutez, tant bien que mal, hein. Vous avez fait fortune? Oh, non. Oh, bien loin de ça. Quelques parties gagnées au blackjack. J'ai du mal à... Mais c'est de se refaire. Je mieux que rien. C'est un mot, la fortune. Mais qu'est-ce qui vous attire ici? Donc, je peux... On a le flair pour les crapules, du coup, on vient voir. Ah oui, d'accord. Mais du coup, c'est bon, je sais d'où vient l'odeur, moi. C'est bon. C'est bien. Mais très bien. Buvez à notre santé, surtout, et c'est important. Ah oui. Mais il faut. Au secours. On va y aller, Roger. Je crois qu'on a perdu une. Rocher, tu perds pas de temps, toi. Tu perds pas de temps, ça, ou quoi? Ah ouais, mais je suis nul. Ah bah, vous voulez un peu d'aide?
Oh bah non, je pense que on verra ça plus tard. Oui. Je pense que c'est mieux. Joseph, c'est quoi que tu tiens? C'est Lincoln, c'est... Ah, plus que Roy Butler. Oh, ça m'a... Ah, ça m'a pégé, t'as pas... Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, oh, bah, putain. Oui. Ah, je suis sourd. Il est pas passé par ici. Pourquoi? Oh la vache. Ah, merde. Ah, mince. Et merde. Il y a combien de temps il est à la poche? Allez. Juste avant. Allez. Cette fois-ci, la boy. C'est un Nestor. Ah, j'ai une information. Oui. On a raté de quelques minutes à la poche. Ah, ouais, tout à l'heure. Ah, bon. Ah. J'ai vraiment eu. Mais il n'est pas passé par ici. D'accord, bon, on va y aller, on va le retrouver. Allez-y. Allez. Mais du coup, on vient récupérer celui-ci, c'est ça, non? Oh, venez, pas bien. On peut monter par là, je crois. Bravo, Roger, on y va. Roger a l'air d'être occupé. On peut monter par là, il me semble. Non, par là, venez, venez. Ah, par là, quoi? Putain, t'as un toit ici. Regardez, nous, on est raccourcis. C'est bien, madame Van Rock. Ah, je vous avais vu, elle est bien, ma nièce. Ah oui, bien sûr. Mieux que la tante. C'est pas une connasse, comme vous avez dit tout à l'heure. Regardez. Personne n'a dit que c'était une connasse. Ah bon? Non. J'avais cru entendre que c'était une connasse. Ah bah vous entendez mal, hein. Merci, madame. Pas de soucis. La porte est bien fermée quand même. Ah bah, j'ai tout moi. Ah, c'est moi, j'ouvre. Eh les gars, il y a du boulot. Oh, le bleu. Ah, il y a du boulot. Ouais. Ah, il me dit pas où c'est, l'enfoiré. Dispensaire. Ancel, dispensaire. Oui, les pluies nous préviennent. Hein. Chalot. Ah, bonsoir. Ah, baby. Ah, bonsoir. Ah, baby. Ça va? Ah oui. Ça va? Ah oui. Vous êtes loin de votre restaurant, là. Bah, c'est un quartier. C'est un quartier chinois, ici. Bah oui, il y a des cuisines parties. Ah oui. Vous avez rien vu de louche. Comment? Vous avez rien vu de louche. Vous nettoyez les rues. Bah, bien sûr. C'est mon travail à côté du restaurant. Quand il n'y a personne qui vient. Ah, d'accord. C'est travail de l'air. Je l'ignorais. Ah ben? Bon, bah, bon nettoyage alors. Hein. Ah, merci beaucoup. Bah, y a pas de quoi. Hein. Ouais, j'ai croisé juste le chinois là-dedans, mais sinon personne d'autre. Il m'a dit qu'il nettoyait les rues. Mais il faut bien s'occuper. Ouais. On va aller vers la poste. Limiteur. Là maintenant c'est Roger qu'on a perdu. Hey. Ah bah non. Ouais. Au cimetière, il y a des mecs basqués. Ah ouais? Tout ça.
Au cimetière. Combien? J'en ai vu au moins deux masqués, mais j'ai pas vu les autres, je pense qu'ils sont plus que ça. J'étais juste là. Ça a l'air chevaux ça. Oui. J'étais posté juste là. Bien. On va aller dans le cimetière. Ça peut correspondre à la au signalement qu'il a fait auto. Il a dit 3 masqués. En noir, cheval noir et un cheval qui correspondait au mien. On va aller dans le cimetière. Je vous attends ici, shérif. On venait. Ah, mais faut pas vous laisser seul si j'arrive à 3. Vous avez... Allez avec Goldstein. S'il y a un problème. Ah bien. C'est attention parce que les shérifs sont devenus des froids. Mais, et vous me dites ça ici? Oui. Dans des endroits où à tout moment ça peut surgir. Oui. Je suis prêt à dégainer. Ça fait quoi, j'ai de la mitraille dans mon lemain. Non, dans un cimetière tout de même. Ne parlez pas trop fort. C'est bon, on est voir. Ouais, on va rejoindre une guerrière là. Pas trop s'éloigner non plus de Rachid. Ah, tout de même. Ils sont minimum 3, hein. Ouais, très bien, très bien. Santé, ça sent la mort, c'est un mauvais présage. Ouais. Ah, me fais pas. Ouais. Oh. Hubert. Il y a peut-être moins qu'il soit parti faire un coup à Saint-Denis et qu'il s'est juste attaché les chevaux là. Ouais, je pense, oui. Il ferait mieux de patrouiller dans le coin. Hubert. Il y a une rumeur qui dit qu'il y a la Madame la Mère et Nestor à Rhodes avec les rebelles d'Es. Quoi? On y va. Tant pis pour ces merdeux là. Bordel de moi, ça m'intéresse.
salopard de Blackwood, mais Dieu, là, c'est eux, ils ont de la chance. Hein. Eh bah, en tout cas, ça correspond, les chevaux correspondent à peu près. Et ça ressemble au mode opératoire, hein, ma foi. Mais tu vois, Nestor, là j'ai envie de lui. C'est qu'il était avec la mère en plus. Ah, mais vraiment là, par contre, c'est. Dites voir, Hélène. Oui. Quand on arrive à Rhodes, si la situation le permet, est-ce que vous voulez bien aller envoyer une lettre au Marshal pour leur dire que les rebelles des sont en otage un shérif et madame la mère? Très bien. Ça sert à rien. On sait jamais. Hein. Le Marshal, je leur ai envoyé une lettre il y a deux semaines, ils m'ont jamais répondu. Ils doivent être sur un cul. Bah, soit alors. Comme vous voulez. En plus, on est que 4 Uber. Hein. On va laisser les chevaux un peu là se reposer. Hein, doucement. On va pas les charger non plus comme des bêtes. De toute façon, hein. Pauvre Nestor et la mère, ils sont déjà dans leurs griffes. Hein. Vous savez ce qu'ils leur veulent? On les tue, ils vont essayer de récupérer l'arme qu'on a saisie. Ah, putain, c'est pas. D'accord. Ils sont chapeau de merde. Il tourne pas la chaussée. Non. C'est une question d'honneur, tu vois, d'image. Tu me le diras, j'y arrête dedans. Frotte ton paquet avec, là. Ouais. Paquet de Roger, l'odeur que ça doit dégager, ce truc-là. J'ai rien de quoi manger. Allez, c'est parti, Hubert. Doucement. Oh, des chevaux, là. Ouais. Faites attention, ils ont peut-être pris possession de la ville. Ça ressemblait. Respect, Beckett. Oui, c'est. Il y a des risques de racine ou pas? Salut. Hola. Vous allez bien, seigneur? J'ai envie de crever. Ouais, ça va. Ouais, parfait. Est-ce qu'il y a ce vieux briscard de racine? Ouais. Bon. On a la mère, on a Nestor. Expliquez-leur, peut-être, Rombres. Expliquez-leur pourquoi on est là, ce qu'on fait. Je suis le nouveau croque-mort de Loujain. Il y a quelques jours, vous avez retiré un putain de coffre qui nous appartenait avec des choses qui étaient très sentimentales, bien plus que des armes ou de la plata. Nous, ce cher Nestor nous a dit qu'en effet c'était ici et la Major aussi. Ils ont dit qu'on pouvait récupérer. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre devant, on charge juste ce qu'on a besoin et on s'en va. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre? Il y avait des petits personnels. On avait gravé nos noms dessous. Il y a des trucs qui datent depuis des mois et des mois, qui valent bien plus qu'une arma en termes de valeurs sentimentales. Nos lettres d'amour, l'arme d'un de nos hommes qui est parti. L'un de vous parle de ce putain de téléphone, je sais pas où il sonne, mais. Cattleman mexicain même. Et surtout aussi, on avait des choses, tu vois, qui datent des lettres peut-être de certaines de leurs femmes ou leurs enfants qui étaient au pays, qui depuis malheureusement ne sont plus. Il ne reste que ça. Que ça y reste. Pour ça, il y avait plein de lettres à la con, là. C'est pour ces lettres. Hein. Si. Je me disais, bon Dieu, il y a un de ces paquets de courriers. L'un de vous peut aller répondre, l'hermano. Et il y allait, je crois. Non, mais il est tout seul, il faut bien que quelqu'un s'y mette derrière. C'est peut-être celui du marché aux gens vieux. Hein. Bon. Bon, très bien, je vais c'est aller juste ça comme deux, pas des fusions, ensuite on se casse. On a bien assez à faire en pleine Sylvanie. Par contre, je vais vous demander de reculer là, et de nous laisser l'accès au bureau pour qu'on puisse regarder le bazar. Bien entendu, on va aller juste ramener une charrette juste pour charger. Comme on t'a dit, on veut juste les boîtes avec les lettres, si elles sont toujours dedans, et les petits bijoux. Et le cattleman mexicain, et c'est bon. Et une caisse, il y a mon prénom gravé dessous, si, j'aimerais bien la récupérer. Et mon chapeau aussi. Je vais voir ce qu'il a retourné. Est-ce que vous avez laissé les affaires dans les caisses? Pardon? Est-ce que tu as laissé les lettres dans les caisses? T'as pas j'ai rien touché, moi. Reste à voir si c'est si celui qui l'adjoint qui s'est occupé de cette saisie a fait des choses. Hein. Très bien. On va reculer alors. Et c'est bien. Et mon chapeau. Il est toujours pas là, ton chapeau. Reculons ensemble. Mais là, c'est José qui l'a. José, il est parti. Allez, Nestor. Nestor, d'où là que venez? Il y a une histoire, il a dit de la merde. Oh.
Ils tentent de les blonder, on les allume. Bah sifflez-les quand même, on les met plus loin. Bah moi je peux pas le siffler, y'a quelqu'un qui est monté dessous. J'attends de voir, ouais. Oh, le TS qui crache comme ça. Putain, mon TS, il veut pas redémarrer. Connected. Channel switched. Ah bah ça fallait le dire avant, bordel de merde. Quand on était à côté. Tu m'as parlé, Racine. Il y en a trois, c'est quoi les noms? Il y a pas de boîte. Hein. Il y a pas de boîte. C'est pas possible. C'est quoi, Joseph, tu penses? Je comprends rien. Ouais. C'est pas les Lucio Valentina, c'est pas eux, c'est pas des noms de Mexicains, c'est si. Ouais, je crois qu'ils se trompent, hein, c'est pas. Il y a la vieille qui vient de nous dire que ça se trouve c'est à la mairie maintenant. Putain, on lui a demandé tout à l'heure. Ah, quelqu'un peut ouvrir la charrette pour voir. Je sais, mais il me dit qu'il a rien, Racine. Bon, nous. On a tout un tas de lettres, mais on n'a pas de cattleman mexicain ou genre de choses. Il n'y a rien à votre nom. Il n'y a rien. Il n'y a rien à votre nom. Il n'y a pas de caisse. Nestol, tu laisses dehors. Attends, mais la vieille, elle s'est foutue de notre gueule ou quoi? Parce que là, elle m'a dit peut-être que c'est à la mairie maintenant, alors qu'on a bien demandé tout à l'heure. Non, vous en élevez pas, c'est les poivrons. C'est rien. I got your back. Et on a pris une sec. Watch my brother in Christ. Ouais, je crois que la pauvre mère est perdue la boule. Et Lucio Valentina, c'est pas eux? Non. C'est devenu un bureau de poste ici. Sinon, on leur donne chèque. C'est quoi, c'est une dépendance de la mairie? Mais non, ils vont pas leur filer le courrier de quelqu'un d'autre. Racine, c'est quoi ce bâtiment? C'est une dépendance de la mairie? Peut-être bien. Bon, t'as pas l'air content de nous voir, Racine, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas content. Oh putain, je t'avais dit on allait passer avant-hier quand tu nous avais fait. Tu les prends de plus en plus vieux, tes shérifs ou quoi? Ben, moi j'aime bien l'expérience. Ah si, mais bon, quand on a besoin d'avoir des loupes à la place des lunettes, c'est pas le mieux. Bah après, faut demander aux petits jeunes de pleine Chivani. Hein. Les petits jeunes de pleine Chivani sont fait trouer le cul. Ouais, hein. C'est vrai, ça. Ouais. Vous avez trouvé le cul de qui? Non, vous avez trouvé le cul des petits jeunes de pleine Chivani. Ah oui, ils sont un peu cons, eux, non? Ils en tiennent une sacrée couche, c'est vrai. Ils vous appellent les piliers de bar, vous, d'ailleurs. Ah oui. Et où, la charrette? Nous, on les appelle les piliers tombales, voilà, c'est tout. Mais dans la charrette, seigneur. Si, en effet, on a brûlé le trackers devant la population. On était là, enfin... On l'a vu, quoi. On passait. Ah, vous étiez là quand on a brûlé? Non, vous étiez là avant. On passait, on a vu le bordel, voilà. Hein. Si, Evan s'est ouvert le feu et... Je lui ai dit, on se revoit dans 2-3 jours. J'ai vu bien mon pistolet aussi. Mon Scofield, pour favor. Ah, bah donc c'est bien tout ici. Bon, bah allez, on va récupérer. Ensuite, on les libère tranquillo. Après, je sais que tu vas vouloir nous traquer. Qu'est-ce que je dois prendre la mer pour faire quelques mètres avec elle? Non, on va pas vous traquer, vous inquiétez pas. Oh. Pas son genre. Pas notre genre. Pourquoi je me dis que tu te fous de ma gueule? C'est tellement dommage que vous le faites pas. C'est pas notre genre. Pas chercher une carabine, tout. Prenez votre fusil, ce Rami. Et venez avec moi. Vraiment, je t'assure que c'est parce que c'est sentimental. Ça aurait été de la plata, des trucs. On aurait été en retrouver, tu vois. Des armas. Mais. On a fait ce qu'il faut. Ça n'a pas de valeur, ce genre de choses. Ça en a, mais pas ce qui te touche au plus profond de ton cœur. Non, mais quand je dis que ça n'a pas de valeur, c'est que c'est... Ça peut pas être remplacé, quoi. Exactement. Ça. Toi, déjà, été marié? Oui, je suis marié. Ah. Toi, des enfants? Oui, malheureusement. Bah, tu vois, imagine que tu perds ta femme ou tes enfants, ou qu'ils sont très très loin. Tout je les ai reniés. Il a des enfants dans le dos, c'est pas les siens.
Que c'est pas vrai, ça, Joseph. Ah. Tu penses moi, que j'ai des poils dans les dos. Une couche toilette. Elle s'appelle comment, ta femme? Bon, j'en ai pas là pour parler de moi, je vous en prie. Vilcatin, elle s'appelle. Bon, Vilcatin. Ah, celle-là, effectivement, j'ai ouais. La Et elle revient quand, Rosé, là? Parce que Nestor, il m'a dit mon chapeau, il est dedans, là. Rosé, je crois qu'il est un jeudi, je crois. Je crois qu'il est décédé, hein. Qu'est-ce que vous pensez, Racine, de l'article qui est sorti sur vous, comme quoi vous ne respectez pas le peuple et ses décisions? La merde. Vous emmerdez le peuple, putain. Non, l'article. Ah. Une partie du peuple, peut-être, oui. Eh ben, ça fait pas sensation pour un shérif, tout de même, de dire ça. Une partie, hein. La mauvaise graine, oui, la merde, oui. Eh, je t'avais dit que le peuple m'aimait bien, Racine. Ouais, tu parlais. Bah, t'as pas voulu me croire, hein. J'ai pris les quatre plus cons du comté, je les ai foutus en haut de l'estrade, voilà ce que j'ai fait. De toute façon, c'est tous des connards, Hubert. Donc, ouais. Je t'avais dit, Odile, il fallait pas le prendre. Vous pouvez pas trouver mieux, hein. Allez me chercher Roger, dis-tu de prendre une carabine, s'il vous plaît, Hélène. J'y vais, j'y vais. Bon, allez vous seigneur, là-haut. Nestor, c'est une vieille merde. Garde-le. Barre-toi. Je crois que c'est la chaînette qui le délonge, là. Oui, mais dans ce cas-là, il fait demi-tour. Voilà, un cerveau. Il est docile. Il a compris, hein. Allez, encore un connard de Lousané. Tu vois pas qu'il y a le bordel, là. Bon, j'ai... Il va y avoir du sang, Joseph. Les gens sont cons, hein. Ah, mais il se passe jamais rien ici ou quoi? Il y a un attroupement, mais on impressionne là d'un coup. Attendez. Il y a un dispensaire qui se fait braquer aussi. Ah ouais? Ça va, Nestor? Par qui? Combien? Ils sont trois armés au dispensaire et sont en train de braquer Jesse McCoy. Très bien, merci. On a interrompu un rendez-vous galant. Bigol a dû déposer ça dans la, dans la chalette. Les trois du cimetière, ils sont en train de braquer McCoy au dispensaire. Tu veux que j'aille avec Hélène? Tant pis pour eux. On les chopera jamais, les rebelles. Vas-y, je vais avec Hélène. Hélène, votre cheval, on y va tout de suite. Merci, monsieur. Je vous en prie. La vie, on va arriver trop tard. Putain! Oh, les concours de circonstances, c'est comme ça, j'aime pas. Putain, ouais, on aurait pu les empêcher, ceux de Saint-Denis, là, s'il n'y avait pas les foutus Mexicains. Je suis sûr, ils se planquent à l'arrière du cimetière. C'est pour ce mol. On voit, de toute façon, si on passe, s'il n'y a rien au dispensaire, on va au cimetière. S'il y a quelque chose au dispensaire, on garde bien en tête qu'ils sont au cimetière, leurs chevaux. Bien sûr. Et on y fonce direct parce qu'ils vont partir à pied, on va arriver avant eux. J'espère que tout va bien se passer à route. On se cache pour les la sauter. Dans la saute 2, il y en a un qui reste comme un con et puis bah, s'il fait quelque chose, on l'allume. Non, à route, là, les rebelles d'Est, ils vont partir. Et tout ça pour les courriers, ils nous emmerdent pour les lettres. Ouais, ouais. De toute façon, on peut pas les choper souvent, eux. Et comme par hasard, le moment où il y a une possibilité, il faut qu'il y ait des connards qui nous emmerdent. Ah, il n'y avait pas trop de possibilités. Tiens, moi, je suis fatigué. Il n'y avait pas trop de possibilités, hein, je pense. Hein. La dernière fois qu'on en a chopé, on était plus et on y a laissé du sang. Hein. Ah, il y a les vies civiles, d'abord, avant tout. Ah oui. Heureusement, on est obligé de couper le bureau en deux. Hein.
Il n'y a plus rien dispensaire, monsieur. Mais mon brave. La porte derrière est ouverte. Bon, on file là, on a dit. Allez. Tu cherches un shérif? Oui, on est là, on a été prévenus. Ils sont partis par où? Les gens qui m'ont kidnappé. Oui. Ah, pardon. Ils sont partis loin, ils sont partis vers là-bas. Dans très le bien, très bien. Merci. On revient. Tiens, culé. On va laisser tomber. Bon, il a l'air d'aller bien. Visiblement. Ouais. Déjà ça. Putain, je suis sur les nerfs, là. Mais je vous comprends. Si c'est les Black Outlaws, mais je pense que c'est eux, je me coupe une couille. Essayons de savoir ce qu'il voulait à ce médecin, là. Oui. Je sais qui c'est. Il vous voulait quoi? Vous savez qui c'est? Oui, je sais qui c'est, mais je vais tirer leur nom pour éviter tout ceci. Ah bon? Bah j'ai... Oui. Mais ils se font appeler les speakers, ils agissent à visage découvert. Oui. Dans leur groupe, il y a un peu toutes les origines, mais que des blancs. Mais vous savez les noms? Je connais tout le monde qui est là-dedans. Mais pourquoi vous voulez pas dire leur nom? Bah parce que si je vais mourir sinon. Ah bah? Bah oui, si je balance, ils vont savoir que c'est moi. Bah... Je suis le seul à connaître leur nom. Le seul? Bah je pense, oui. Vous voulez pas nous aider un petit peu? Ouais, je dirais que ce sont des habitants de Lausanne. D'accord. Ok. Et le ce problème, c'est que si je vous dis les noms, c'est quoi les répercussions? Si vous dites les noms, tu peux retourner. C'est comme tu veux, Lens. Si tu veux traquer les rebelles d'Est, tu peux aller à Rhodes, sinon tu peux rester ici. Mais je vais rester quand même. Ça a l'air d'être. Je vous donne la moindre information. Qu'est-ce qu'il y a un coach pour ma personne? Concrètement, la discussion qu'on a eue ici. Il n'y aura pas de trace écrite. En tout cas, je ne ferai pas de rapport. Simplement, le shérif Hubert Racine et moi-même, donc sur son bras droit, auront connaissance de ces informations. Hubert les dira ou non à l'ensemble du bureau. À voir, on va réfléchir. Mais en tout cas, nous, on va trouver d'autres moyens de les faire tomber, voilà, etc. Très bien, je veux que ces informations ne servent pas dans le cadre d'une enquête, mais qu'elles vous servent à vous mettre des repères, ok? Très bien. Ça vous va, deal? Ouais, c'est okay. En fait, nous, c'est pour mettre des noms, si vous voulez, sur ce groupe. Oui. Ok. Les personnes qui sont impliquées là-dedans sont Monsieur Jack River. Oui. Madame Blanche Pearson. Jack River, Blanche Pearson. Miss Sky, je sais pas son nom. Un Allemand qui se fait appeler Clay Hartel. Attends. Jack River, Blanche Pearson, Clay Hartel. Miss Sky, je connais pas, c'est une walk-in qui travaille au marché. Non, qui travaille pas, qui travaille où déjà? Je sais plus où elle travaille. Oui, elle travaille pour les chevaux. Là. Et ensuite, il y a encore un autre homme avec eux. Un Allemand, c'est ça? Oui, un Allemand qui s'appelle Clay Hartel. Clay Hartel. H-A-R-T-E-L-E. Non, T-L-E, pardon. Et ensuite, il reste une dernière personne, mais lui, j'ai pas son nom et je crois que c'est la tête du groupe. Avec Miss Pearson, ça doit être le bras droit, enfin, les deux doivent être chefs. Vous savez à quoi elle ressemble? Tenue tout de noir, forcément, tous les bandits, ils ont qu'une seule couleur. Ah, mais c'est plus, c'est plus au niveau de la tête, moustache, barbe. Bah, Miss Blanche Pearson, elle a les cheveux blancs. Miss Sky, ok. Eux, je vois très bien qui c'est, mais surtout pour le dernier homme où vous n'avez pas le nom. C'est un homme barbu, des cheveux mi-longs qui lui arrivent à la nuque, plaqué en arrière. C'est un rouquin. Non, il est cheveux, enfin, c'est des cheveux noir-brun, mais qui vont vers le gris, vous voyez, qui commencent à être grisonnants. Poivre et sel. Exactement. Et ce monsieur-là est avec eux, et bref, c'est tout ce que j'ai sur lui. J'en sais pas plus. Et ils se font appeler les speakers, et je sais qu'ils ont un saloon à Blackwater, et ils ont pas mal, ils ont marché aux envies aussi, où ils travaillent. Et ils ont encore sûrement d'autres choses, mais je ne suis pas au courant. Très bien, vous êtes le seul à vous être fait attaquer par eux? Bah je pense que je suis le premier, vu qu'ils ont fait passer la rumeur comme quoi ils sont occupés de moi. Je suis désolé à vrai dire, les rebelles d'Est ont pris un otage de la mer à Rhodes, du coup c'est un peu tendu là pour nous. Et ça s'est occupé ou pas de ça d'ailleurs? On est en train, ils sont venus à trois ici.
Pour me capturer. Enfin, pour me capturer. Ouais. Ils n'ont pas joué comme ça. Ils ont joué, vous voyez, social, en mode, oui, est-ce que M. Jackson peut venir avec nous? Mais c'était plusieurs, oui, plusieurs à cheval. Arme sortie. Arme dans le dos. Et vous voulez quoi? C'est parce que vous connaissez Marius, de la Watchford. C'est un enfant de 16 ans qui est un flingue, qui gagne de l'argent, mais un enfant. Oui, oui. Je l'ai blessé involontairement lors d'une sortie amicale. Ah, cette histoire-là. Nestor a pris les positions de Marius. Le truc, c'est que ça s'est passé en pleine Sylvanie. Du coup, je me suis rendu là-bas auprès des shérifs. Les shérifs ont dit que je devais envoyer une lettre et que Marius devait dire que j'ai bien présenté mes excuses à lui. C'est juste ça ma punition. Mais je me suis excusé, je ne voulais pas le blesser. Je n'ai aucune haine envers lui. Et du coup, eux, ils sont des justiciers. Et se revendiquent en tant que justiciers à la place de vous. Mais c'est une justice qui leur arrange, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'en échange. Ils ont des intérêts. Oui, parce qu'en échange de ce qu'ils m'ont fait subir, je dois. Si je ne veux que rien ne m'arrive, je dois donner des informations sur une personne. Vous souhaitez confier cette information au bureau? Non, je m'occupe de ça. C'est un monsieur qui est une wack. De toute façon, c'est un pourri, donc pour vous, c'est, vous faites même du travail en moi, je pense. Mais c'est Miles. Non, Miles, c'est pas là-dedans. Ah bon. Il n'est pas concerné par cette histoire. C'est un pourri lié à de la contrebande. C'est un pourri, c'est une petite wrap dans les rues de Saint-Denis. Oh, ouais, c'est une petite racaille de merde, c'est pas un gros poisson. Non, ça vaut pas le coup même pour vous. Non, mais c'est surtout dans le sens où si vous le balancez, il vous arrivera rien. Moi aussi. Ça, je m'inquiète. Non, ça va le faire. Le truc, c'est que ce que je vous ai donné là, vous, c'est des repères, mais pas un élément d'enquête. Ah oui, bien sûr. Et on n'a jamais eu la discussion, mais voilà. Bien sûr. C'est tout, monsieur. C'est comment votre nom, vous déjà? Parce qu'on m'a dit que c'était monsieur McCoy qui se faisait. Le dispensaire, je me suis pas fait attaquer au dispensaire, moi. Enfin, si, ils sont venus me chercher devant, ils m'ont emmené plus loin. Mais je pense qu'au dispensaire, il y a une autre attaque en même temps. Il y a trois attaques simultanées de trois groupes différents, vous voyez? Ah, mais on est d'accord, le dispensaire s'est quand même fait attaquer. Parce que McCoy s'est fait attaquer, non? Je crois bien qu'il s'est fait attaquer, mais il m'en a pas dit plus. J'ai pas eu le temps, il parle avec des messieurs. Justement pour essayer de savoir qui c'était, etc. Parce qu'on a vu des hommes masqués au cimetière, ils ont attaché leurs chevaux à côté du cimetière, trois chevaux. Et si c'était masqué, donc à mon avis, c'est pas du tout ceux qui vous ont attaqué. Non, c'est pas les mêmes. Et à ce moment-là, on a eu la signalisation des rebelles d'Est, donc on a dû partir. Ah non, c'est chaos ce soir à Saint-Denis. Ouais. Bon, je vais pas vous embêter. Si vous croisez. Ouais, je vais retourner à Rhodes rapidement pour les rebelles d'Est. Mais c'est quoi votre nom déjà? William Paul Jackson. William Jackson, ouais, juste pour moi. Hein. Jackson, okay, comme ça je le dis à Racine. Oui, il va reconnaître, il me connaît bien. Si vous croisiez McCoy, dites-lui de m'envoyer un courrier à moi ou Racine, à moi de préférence, parce que Racine est occupé avec les rebelles d'Es, et comme ça, il me dira ce qui lui est arrivé aussi. Vous, c'est comment? Est-ce que je sais que vous êtes français? Je sais que vous êtes Joseph Goldstein. Goldstein, ok. Voilà. Monsieur Goldstein. Ok, je vais le dire, là. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Pearson. Bonsoir, oui, attention à vous. Je suis désolé, je dois y aller. Putain, c'est mouvementé, là. Ah, monsieur McCoy. Bon, monsieur McCoy, moi je te laisse. Ouais. Allez, bon courage. Vous êtes fait attaquer là? Ouais, monsieur Goldstein. Trois hommes masqués? Des Black Outlaws? Ouais, c'est ça. Je vais me couper les couilles, monsieur McCoy. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, c'est-à-dire qu'on a vu des hommes masqués au cimetière, attachés trois chevaux. Et au même moment, on a eu un signalement pour les rebelles d'Est qui ont capturé Madame la Mère. Bah oui, j'étais présent aux deux, quoi. Oui, je suis désolé, Monsieur McCoy. Bah, c'est pas de votre faute, Gachet. Mais voilà. Bah écoutez, je dois finir cette histoire avec les rebelles d'Est, donc je retourne à Rhodes. Mais vous avez des nouvelles de la mairesse, hein? Oui, on l'a vu, elle va bien. Mais je vais voir si le bureau n'a pas besoin de renfort. Ok, bon, alors sachez quand même que concernant les Blackout Clause, ils ont été assez courtois. Je leur ai demandé de faire de mal à personne, ils ont fait de mal à personne. Ils m'ont pas braqué, ils m'ont laissé mes armes, ils ont rien. Je leur ai donné 3 lettres pavot et 3 zéros. Vous voyez, ils ont pas été très gourmands. Autre chose. Quoi. Je reviendrai vers vous pour. On discute. Vous voulez que je vous accompagne je peux vous accompagner à Rhodes aussi. Venez à Rhodes, je ne sais jamais si on a besoin de médecin. Ouais, je vous suis. Je sors mon cheval et j'arrive. Ça marche. Oui, Beckett. Vous avez récupéré Madame la Mère? Aux dernières nouvelles, moi j'ai dû partir pour les deux attaques qu'il y a eu ici, mais elle est en vie, il récupère juste des trucs des trucs qu'il devait récupérer et il devrait la relâcher, aux dernières nouvelles. Ça marche. Au passage, si jamais vous chopez un rebelle d'Es et que vous trouvez un canoncier gravé Affliction, appelez-moi, c'est bien. Affliction. Vous avez le numéro de chérie?
Ouais, je vous le communiquerai. Très bien, si jamais ils ont effacé la gravure. Ouais, communiquez-le, hein. C'est jamais. Pas je pense pas qu'on va les choper, Beckett, hein. Sans mentir. Un peu un sous-effectif. Hein. Bah, la mairesse s'est fait enlever, on était présents. Je suis revenu au dispensaire pour mettre Miss Rose à l'abri. Et puis là, on va y aller, McCoy, hein. Je suis un peu pressé, je suis désolé. Hein. McCoy, plus tard dans la soirée, je vous contacterai, je vous poserai des questions quant au Blackout Laws. Hein. On s'occupera de ça après. Ceci. Qu'est-ce qui s'est passé, William ? Pour Marius, pour l'histoire avec Marius. Oublie ça. Dites si votre cheval a du mal. Hein. Pardon, Goldstein ? Vous me dites si votre cheval a du mal. Non, non, rassurez-vous. C'est un bon cheval. Très bien. Un cheval de pirate, même, je peux dire. Ah oui ? Vous êtes un pirate, McCoy. Heureusement, non. C'est l'ancien cheval de Esperanza. Eh oui. Ah oui. Cheval unique et d'exception. Elle m'en a fait un bon prix parce que j'ai pris soin de son âme là quand il était touché par la tuberculose. Vous vous souvenez de cette histoire ? Il tient moi. Là, je crois. Moi aussi, oui, j'étais là il y a un an quand même. Mais... Il y a un pirate qui avait contracté la tuberculose. Oui, c'était quand ? C'était juste avant que vous arriviez, juste avant que vous reveniez en fait. Exactement. D'accord. J'avais déjà été là une paire de mois d'août dernier en fait. Ouais, je me souviens que c'était là qu'on s'était rencontrés, quoi. Et ben ouais, c'était ces mêmes pirates, il y en a un qui a contracté la tuberculose. Et bien. Il y en a un qui les a balancés, mais je dirais pas qui. Et bien. Fais le malin, fais le malin. Quoi ? C'est une blague ? Mais c'était déjà mort. Je crois que c'est toujours en cours, messieurs. Stoppez-vous là, s'il vous plaît. Je vais voir ce qui se passe, merci. On va voir. Je vais voir si jamais il y a besoin de médecin, je vous tiens au courant. Ça marche. Ça va bien, ça va bien. Je vais demander bon. Ce qu'il dit Bernestor. Et voilà. Il y a eu deux attaques en simultané sur le dispensaire. J'ai ramené il y a deux médecins là au cas où. Putain, mais on est vraiment. C'était à 30 secondes près. Les chevaux, c'était les Blackout Laws et il y a les Speakers qui ont attaqué Pearson. Ah bon, les Directeurs ? Ouais. C'est le Berdi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? 4 Blackout Laws et les autres c'était 4 ou 5. Visage démasqué. Ouais, bon. C'est quoi ces Speakers de merde, là, ils chantent d'où Ah ouais, je sais pas. Il y a besoin d'un médecin ou pas là ? Non. On vous rend la mer. Merci, c'est gentil. On garde Nestor juste quelques mètres le temps de partir, on le laisse tomber, on s'en va. Nous suivez pas, on n'a pas envie qu'il y ait une effusion de sang. Vous avez un petit oh, vous inquiétez de pas. Je vais s'assurer que Nestor soit bien à nous. On va libérer Nestor une fois sorti de la ville. J'ai dit, la petite constance est tout cœur avec vous. Vous avez besoin des médecins, madame la mer, ou pas ? Non, non, ils m'ont pas violenté. C'est bien. Madame la mère a l'air d'aller bien, monsieur McCoy. D'accord, mais il y a un autre blessé, non ? On peut s'en approcher. Ouais, allez voir la mère, nous on va partir à la chasse. Elle est où la mère ? Elle est dans le bureau. Allez, je suis parti pour une traque qui sert à rien. Doucement, doucement.
Nestor, là, il est où? Doucement, José, doucement. Ah, Nestor. Il est où ce qu'on est? T'as une arme, t'as quelque chose? Ouais, j'ai mon arme. On veut notre le main avant d'enfoirer. On veut notre le main. Racine, tu pars maintenant un tir. Tu salopin. Racine. On va tirer si va mal finir, donc soit... Donnez-nous notre levain. J'ai tout donné pour vos foutues lettres, là. C'est vrai, je t'ai rendu en vie, tes deux personnes adorées. Bande de salauds. Qu'est-ce qu'on fait, Racine? Vous nous donnez notre levain et on repart bien gentiment. Non, il est à nous maintenant, et en plus on l'a rendu. Demande à Nestor, on lui a rendu. Non, il vous en a donné un autre. Oui, ben c'est bon alors, les comptes sont bons. Non, et nous on a moins un. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous nous rendez le main et vous partez bien gentiment, on vous traite non. Pas. C'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Vous pourrez partir tranquillement. On veut le main. Donnez-nous ce foutu le main. Moi j'ai une idée. Attendez. Je vais me faire allumer sa race si je reste là. Rien, Zebby. Oh, ça peut pas marcher comme ça, messieurs. Oh. Je suis un lâche. Mon chapeau. Je me suis fait péter ma mère. Pff, je sais pas, hein. Vas-y, balle dans la cuisse.
On est bon, Brest? Plié quelque part, là, on les a vraiment pas tous eus. C'est qui dans la forêt? Mano, avec moi, avec moi. On va les grouper, on va les grouper. Viens, viens, viens. Je ramasse celui qui est là. Il y en a un qui est tombé dans, un, dans la rivière, je crois. On va aller le grouper sous le pont, il y a Nestor. Eh ben, il y a lui. Là. Ah. Allez, on reste, tiens-moi. Ah. Allez. Je te laisse t'en occuper. Pas là-dessus, tiens, bon. Ouais, cette voile-ci, elle va pas clamser. Allez. Vous en avez combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ça devrait être bon. Putain, l'autre dans l'eau, résistant, je connais qu'il y en a un autre dans l'eau. Dans l'eau, merde. Sortez-le, les crocodiles, ils vont les bouffer, couvrez-vous. Non, mais y a personne. Je me demande comment t'es encore debout, Nestor, t'es très résistant. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Parce que... Bah, j'ai Alexandro qui m'a mis un coup de croche. Hein. Mais si, mais en fait, c'était un peu étrange aussi. Parce que moi, je t'ai vu l'allumer au fusil à pompe. Putain, je l'ai mais pas pourquoi mal de vous êtes pas parti? Pourquoi? Moi, je voulais pas, je voulais pas que ça tire. Juste à côté. Je voulais pas que ça tire. Pourquoi vous êtes pas parti tout simplement? Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un putain d'élément? On obéit aux ordres, hein. Je sais, mais putain, il est con, quoi, Racine. Prends le mât de merde. Y a vous en avez une chier de le mât. Il n'y a aucun autre shérif, par contre. Je sais pas qui vous cherchez, là. Vous étiez combien en tout? C'est tout, je connais, là, je pas, crois. Le, on a tout le non, il n'y avait que ça, les hermanos. Il n'y en avait pas un des plus. Si, il manque l'ombre avec la veste marron, là. Si, il est dans l'eau, je crois. Oui, c'est mon frère. Il est par terre. Attends, il était vel là-bas, non? Il est où? Il est par terre, putain. Mais celui qui était dans l'eau, on l'a récupéré? Si, je pense que si. Il y a un téléphone à la boulangerie ou pas? Joseph. Non, c'est. Tu viens avec moi? Si. On prend leur cabayot, on leur l'amène ensuite, viens. Vous étiez que 5, Nestor, tu nous les promets, il n'y a pas un nombre dans l'eau. Ah bah, j'ai compté que chaque. Il me semblait qu'il y avait l'autre, là, ton foulel, comme tout dit. Bah, il est par terre, là, mon frère, il a mes genoux. Ah bah, c'est bon, il y a tout le monde, alors. C'est lui qui a une veste marron. Hein. Tu as pas reçu des mauvaises balles, toi, Nestor? Non, ça va. J'ai été fleuré, j'ai juste pris deux coups de croche dans la tronche. Pour le tout te dire, je me demande comment il est encore debout. Hein. Ben, j'ai vu le tir du fusil à pompe me passer pas loin. Là. Parce que ben, je l'ai vraiment mis au moins 6 ou 7 balles de l'homme. Sachant que c'est pas pour rien que je suis aussi vieux, hein, c'est que je suis costaud. C'est vrai. On va au moins essayer de les emmener au dispensaire, non? Si, je pense. Ben, oui, parce que c'est là, parti, je vais pas pouvoir. Les chevaux, nos chevaux, on a des bandages. Je vais couper les cabayots au même endroit, moi. On va chercher les cabayots. Ici, on va vous l'amener, vos cabayots. Parce que j'ai des bandages, j'ai dû être pavot normalement là-dedans. Voilà, je pense qu'il leur faut plus que de vous l'aider pavot, hombre. Bah oui, mais bon, tant qu'on trouve un médecin. Putain, mais il y a des médecins, c'est un golem. Hein. Wow! L'un des vôtres, ça, Nestor? Je crois, oui. Le Geralt. Il est là, non? Non, c'est pas vraiment ça. Bon, ce qu'on va faire, les hermanos, chacun de vous récupère son cabayon, on n'a pas pris le téléphone, on les ramène à Rhodes, on les dépose, ils se feront soigner là-bas. Claro. Ramenez vos cabayons, on charge chacun un corps. Et s'il faut, on les met dans la charrette. Pour une fois. Eh ben, tiens le coup. C'est triste. Non, pas sur les vôtres, Nestor. On va prendre nos cabayons. Au pire, on les fout dans la charrette un peu, tu penses? Non, pas dans la charrette. Il va tomber. Ah la vache. Allez. Putain, j'avais dit à Racine, barrez-vous, sinon ça va tirer. Et prends-le en attendant. Aïe, aïe. Faudra que j'ai passé un dispensaire aussi. Comment? J'avais tout le monde là? Ouais, on a tout le monde là normalement.
Wesh. Bon, attends, on a la vieille, la nouvelle, là, je sais pas qui c'est. J'ai la signale, moi, toi, t'as qui? Moi, j'ai la signora. On est bon, les hermanos? Là, c'est Goldstein, je crois. Et on a Nestor là-bas. On a tout le monde, ici, on a tout le monde, c'est bon. La dernière fois, j'ai tiré ici avec les autres chérés. Ok, on retourne à Rhodes, restez vigilants. S'il y a des putains de chasseurs de primes ou encore des curieux, là, cette fois-ci, on va pas hésiter longtemps. Je pensais pas utiliser aussi rapidement mon nouveau là-bas. Bah les deux, les fusils à pompe, putain. Putain, dire que tout aurait pu bien se passer, on récupérait quelques lettres de merde et on repartait. Eh, hey, Olacio. Si. Maintenant, je peux dire que j'ai tiré sur le déchet livre de Lausanne avec un Lema de Lausanne. Arrête, arrête. Ça va, Nestor? J'ai passé une semaine, on arrête tout. Putain, mais j'avais l'impression qu'ils étaient une armée. Moi aussi, j'ai eu Rhodes. Beaucoup, mais... bon, en vrai, ils sont 5. Hein. C'est qu'il y avait du monde autour et des chasseurs de primes de merde, sûrement. Amène-les devant les dispensaires, hermano. Oula, oula, oula. Je gage dans la banque s'il n'y a pas... Allez-y, je gage dans la banque s'il n'y a pas... Convoi exceptionnel, on vous amène des cadeaux. Et les gens qui... S'il y a des blessés, laissez-les ici, messieurs. Nous sommes en train de faire ça. Vous laissez les compagnies qui étaient là, mon cabaillot. Pas de soucis. Ah bah. Non, pas vous. Vas-y, Jacques, dépêche-toi. Pardon. Les shérifs en ont tous besoin d'un, là. Je vous pose Eh, ça aurait pu être évité, mais malheureusement, non. Malheureusement, Racine est un con. Il en manque un. Allez-y, descendez-le de mon caballo si vous voulez. Racine, tout ça pour un putain d'élément, il a pas voulu lâcher l'affaire. Bon, allez, les rebeldes vous saluent. Et je suis en RP sur lui. Vamos, vous avez les bonjours de los rebeldes. Au revoir, messieurs. Buenas noches, señor. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Rachine a voulu ouvrir le feu et voilà, j'ai pris une tollée encore. Oh, tiens, j'ai pas du lait de pavot et des bandages. La donne-leur parce que j'ai pas pu leur administrer. Mais il aurait pas fallu, il vous aurait libéré, je suis sûr. Roger. Je suis en train de mourir de faim. Cette pièce. Vous avez faim? Venez là, Jésus. Tenez une tarte pomme. Ah, merci. Voilà. Vous avez de quoi bouger. Attends, je vais vous laisser passer. Ouais, faites-moi. Merci. D'air, messieurs, dames, s'il vous plaît. J'ai besoin de place pour réanimer Roger. Mais je vais. Laissez un peu d'air, s'il vous plaît. Mais ça pisse. T'as besoin de quelque chose, McCoy? Non, ça va aller, Miss Rose, je m'en occupe. Allongé au sol, là. Merci. Non, t'as besoin de quelque chose? Bah, ils l'ont poursuivi parce qu'ils ont été bien surpris, monsieur Mister. Monsieur Dion, c'est un beau rétablissement. Bon courage. Merci. Ça va, madame Dulac, vous avez rien. Non, c'est à vous de demander ça. Ouais, moi, je crois. Monsieur Roger, suivez-moi, allez. Vous pouvez m'aider à marcher. Ah oui, monsieur, allez, venez. Je l'ai pris dans le genou. Putain. Ça sent l'arbre de travail, ça. Ça va, Roger? J'ai envie de gicler partout. J'ai envoyé un courrier. D'accord, pas de soucis. Je le saurai. Je pense que c'est bon là, c'est... Ouais, là, ça va. Donc, il faut juste que je m'occupe des blessures par balle. D'accord. Même encore pour au moins 3 quarts d'heure, je pense. Je meurs, gros. Tu t'es soigné, du coup? Ouais, je te lève le couteau, du coup. Bon, il faut vraiment qu'on... Putain, mon perso, il ronfle. C'est pas juste, tu sais pas à quel point. T'écoutes. J'ai mort de faim. Putain.
C'est pas un Roger. Ah, ça me met trop bien. Ouais, ouais. Merci, Camille. Oh putain. C'est bien fait. Ah, deux doigts de wipe là-dessus. Il y en a encore un devant, je crois. Ah oui. Si, à Goldstein. Goldstein, il est mort. Oh, Goldstein. Ah, dommage. Je suis là. Oh, il est en vie, oui. Valentin, on y va, nous. Ah, Goldstein, ça fait plaisir. Tu vois. Prenez cette nouvelle compresse, changez-la. Il est là, oui. Mais... Goldstein, vous êtes là? Oui. Vas-y, entrez. Malheureusement, il est là. Je m'occupais de Roger en premier parce que. Ah, bonjour! Occupez-vous de Hélène, la pauvre, c'est une rupture. Ah, je suis blessé à la cuisse gauche. Occupez-vous d'Hélène, oui. C'est une rupture. Je me sens partir. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Joseph part. Racine, vous avez été. Enfin, Hubert, vous avez été retouché où vous? Ah, dans le bras gauche, l'avant-bras. D'accord, je vais voir si Miss. Comment elle s'appelle? Atkins, hein, c'est ça? Oui, après je suis tombé dans l'eau, j'ai plus la tasse. Hubert, je crois. D'accord. Hubert, je crois que j'ai été touché entre les deux yeux. Ah non, je pense pas. Pourquoi il vise les jambes, ces enculés? Visez la tête, pitié. Joseph, ils veulent juste nous faire souffrir. Enculé. C'est la torture, Joseph. Bonjour, j'ai mal. Oh putain, ça c'est la pire torture qui puisse exister. Le pire, c'est pas la fusillade, est-ce Joseph, que monsieur... c'est l'imprévu. Le shérif Hubert Racine serait ici. C'est le fils. Ah, donnez-moi 2 minutes, merde. Ah. C'est pas possible, ça, Joseph. Je souffre. C'est la dame du fils. Oh, Dieu. Oh, Dieu, mon bras. Je souffre énormément. Je m'occupe de vous en premier. Que vous êtes en dehors. Ah, merci, monsieur Marco, c'est bien. Bon, vous m'avez dit que vous avez été touché dans le bras, c'est ça? Avant-bras, ouais, j'avais pris une impression. J'ai glissé en l'air, je suis tombé dans l'eau, je me suis cogné la tête comme un con. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais y passer, je voyais des petits anges autour de moi. C'est quel bras? Le bras gauche? Le bras gauche, oui. J'ai froid, j'ai. Après, je me suis réveillé, j'étais entouré de salopards. J'ai vu Monsieur Jackson, j'ai vu. T'as y'a Nemo, t'en es par terre, on pète. Roger se plaint. De se plaint de quoi? J'ai froid. Je vais lui donner une couverture. Il cache les couilles, celui-là, là. J'ai les balles au chalet. Ça va. Venez, Roger, je vous mets une couverture. Oh putain, ça fait chaud. Je désinfecte encore, je fais pas la suture. Oh mon Dieu, José. Jackson fait une anesthésie générale sur Roger. Je fais le. Là quand il faut. Je fais le. Allez-y, monsieur McCoy, tuez-moi, finissez ça. C'est bien, jamais de la vie. Vous allez en voir bien d'autres. Ah non, je ne veux plus. C'est ça, je crois. Ouais, je comprends que vous en avez. Je vais péter. Je commence à en avoir gros sur la patate, c'est sûr. Oh, c'est bon, on a compris que tu. Merci. Roger, gonflez-moi fort. C'est un bordel maintenant. Putain, c'est quoi les mots tout pète? Oui. McCoy, achevez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ça va aller, Goldstein. Arrêtez, monsieur. On a encore besoin de vous. McCoy, vous avez tout à gagner. D'accord, puisque vous le prenez comme ça. Oui. Voilà, directement. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir, messieurs. La forêt maudite. Justement, je m'inquiète. Oui. Qu'est-ce que le bon Dieu en aura fini avec ses plans machiavéliques et ma personne? Je vous ai retiré la balle, vous n'avez pas de fragments. Putain, je trouve plus tes modes de mort. Vous allez vous en remettre. Pour le seum. Je vais regarder votre tête quand même. Vous pouvez enlever votre chapeau juste, Hubert. Une petite commotion, rien de sévère. Putain, je fais le suicide. J'ai peur que le genou de Roger soit dans un sale état. Amputez-le. Hein. Alors, je pense qu'on va pouvoir le sauver son genou, mais c'est problématique les prochains jours. Quoi. Plus de course à pied pour lui, en tout cas pendant quelques jours, ça c'est sûr.
C'est bizarre, à chaque fois qu'on a une fusillade avec les rebelles DS, Nestor s'en sort sans encombre. Moi, vous n'allez pas lui c'était du bal quand même. Oh, je sais pas, ça commence à devenir lourd. Chaque fois, c'est pas chaque fois. Hein. La première fois, effectivement, il s'en est sorti. La deuxième fois, il était mal en point aussi. Là. Et la moi, troisième les... fois, non, les deux fois, je les ai croisés, je m'en étais sorti, Hubert. Lors du convoi et à Valentine aussi. Bon, vous pouvez vous réveiller. Hubert, pas d'armes longues et pas de charge lourde pendant les trois jours. Je vais me reposer un peu, de toute façon. Voilà, il va falloir vous reposer. Je vous mets sous l'aide pavot. Bon, j'en ai pas là du coup, mais vous viendrez, vous repasserez au dispensaire. Ouais, je vous rembourserai. Prenez les lettres pavot que Nestor m'a acheté là récemment, et moi je vous les rembourserai, je vous les remplacerai demain ou dès que vous passez. Occupez-vous de Joseph, le pauvre il va mal. Ouais, je. Joseph, je vais vous aider à vous lever. Oui, j'aurais fait un petit quelque chose pour moi. Faut que je me défroque. Je sais pas ce que vous, une petite seringue là. Si, bien sûr, je vais en mettre une petite dose de morphine. À vos ordres, je suis nu. Hubert, vous avez besoin de. Vous allez dormir là. Vous excusez-moi, je vais discuter un peu. Oui, j'arrive. Monsieur McCoy. Oh la dégaine. Et pour Roger, j'ai sa cheville à l'abîmer. Son genou. Oui, son genou, pardon. Et. Habillez-vous, Hubert, avant. Oh, c'est pas grave. J'ai désinfecté du coup et j'ai mis de quoi empêcher une hémorragie. Mais je crois que c'est vraiment touché pour ça. Ouais. Je vais m'occuper de Joseph. C'est moi. Souhaitez-vous que je repasse peut-être plus tard. Mais je tout pas là. Donc Joseph, dites-moi où est-ce que vous avez été touché, vous. Cuisse gauche, je crois qu'elle est pas ressortie. Ok, c'est constant. Enfin, je sais pas, ça piche le sang. William. William ici. Est-ce que c'est ressorti ou pas? Tu vas nettoyer, tu vas désinfecter, tu vas la balle, tu vas sortir la balle, tu vas prendre la pince et tu vas me sortir la balle de la cuisse. Je le fais moi-même. Je l'ai déjà fait. Ouais, bah parfait. Non, tu vas pas le faire toi-même. Je vais surveiller tout ça, mais voilà. J'aimerais que tu le fasses. Ouais. Si vous pouvez trancher la grosse artère, je dirais rien. Non, je vais éviter. Donc, où est-ce qu'il est blessé, le monsieur? Cuisse gauche. Ah, cuisse gauche. J'ai le mauvais œil. Hein. Ça commence bien. Ok, du coup, je vais chercher la pince. J'avais de quoi désinfecter le kit. Faites-moi voir ça. Aïe. La balle, elle s'est pas rendue à McCoy. Regarde, s'il n'y a pas de séquelles sur le muscle et sur l'os. Mm-hmm. Je crois que si, bah, un des petits fragments s'est logé dans l'os, justement. Ouais, bah si c'est logé dans l'os, c'est pas trop grave, tu le retires délicatement avec la pince. Hein. Ok, j'y vais. Ça, monsieur, vous avez une dose d'anesthésie ou pas? Ouais, j'en sais rien, ouais. Je lui ai mis une dose d'adrénaline pour le réveiller, il faut lui mettre une dose de morphine et tu vas lui mettre une dose morphine de cocaïne. Dans ma poche gauche. Je vais lui mettre une dose de cocaïne pour anesthésier la cuisse. Et plus de douleur dans la cuisse. Tiens. Voilà. Je sens plus rien, hein, ça veut dire. Ouais, je pourrais vous couper la jambe que ça fera bizarre, mais ça n'y aura pas de douleur. S'il vous plaît, trancher l'artère. En plus, si je peux pas souffrir, c'est le mieux. Goldstein, ça va bien se passer. Ça bien se passer. J'ai fait mon temps, je suis un connard. Tu prends le petit bout, là, attendez. Je suis un connard fini, McCoy. Faut m'enlever de cette terre, faut m'arracher à cette terre. Hop, le petit bout, c'est bon. C'est un spectacle tout bizarre, je me sens tout bizarre, j'ai pas mal, mais je vois mon intérieur. Comment ça, ton intérieur? Bah, l'intérieur de ma cuisse, quoi. Bah. Signé les rebelles d'Est, ça, hein, monsieur? Je me sens bizarre. Si je vais pas tomber. McCoy? Il s'est évanoui? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour. Bah tu continues, c'est normal. Continue l'opération, parce que là c'est chaotique du coup, mais ok, je vais essayer. C'est une perte de connaissance, ça arrive régulièrement. Pourtant, tu lui as fait une injection de cocaïne pour... Oui, j'ai fait les deux. Parfait, retire la balle et le fragment. Le petit fragment c'est fait, c'est la plus grosse que j'ai pas été chercher. Alors tu veux que je le fasse? Non, c'est bon, bah j'ai fait le petit, je peux faire le gros morceau. Si j'apprends à chasser les cœurs, c'est pour pouvoir tuer sur le bison après. Oh, le philosophe. Tout doucement. On évite l'artère parce que j'ai pas envie qu'il finisse mort.
doucement. Je l'ai. Hop là. Ensuite, je n'ai plus qu'à nettoyer. C'est quoi le prénom de Monsieur Goldstein déjà? Joseph. Joseph, je crois. Ah, c'est pas pratique. Je vais faire. Je vais désinfecter. Puis recoud. Il reprend connaissance. Monsieur Goldstein. Oui. Vous m'entendez? Oui. Comment vous sentez là? Je suis désolé, je supporte pas la vue de mon propre sein. Ça arrive, Joseph, vous inquiétez pas. Je suis une salope, doublé d'un enculé, triplé d'un connard. Mais non, arrêtez de dire ça. Je vais retourner mon fusil contre moi un jour, McCoy. Mais non, on a encore besoin de vous, arrêtez. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on peut pas se débarrasser de moi aussi facilement. C'est déjà ça, je préfère entendre ça. Je suis la pire raclure de Lausanne, c'est moi. Je retrouverai les Black Outlaws. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas une priorité pour moi. Ils ont été très corrects, je m'en fous. Ouais, mais ils ont attaqué Otto. Quoi? Ils ont attaqué la Prusse. Chien. Ah oui, non, j'ai rien à foutre, je suis français, chérie. Fait tourner la tête tout seul. Ouais, elle aura pas perdu trop de ça. C'est bon, j'ai fini les points de soutien. J'ai refermé la plaie. Bon, maintenant tu mets un baume, tu sais lequel normalement? Le miel. C'est bien, ça commence à rentrer. Je suis content de toi, William. Bravo, William. Merci, merci. Comment s'appelle votre nouvelle collègue Hélène Atkins. Hélène Atkins. Hélène à la française avec H. Oh, j'en sais rien. J'ai rien du tout où elle arrive aujourd'hui. Miss Atkins. Pas trop m'en demander. Je suis que le bras droit, moi. Je suis pas le grand chef. And what's your keep, Monsieur Goldstein? Oui, mais bon, elle arrive aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de lui faire toutes les... Oui, que c'était déjà le bordel. Finesse. Ah, là, ce soir, c'était le chaos total. J'espère que ça va s'arranger avec vous. Ah oui. C'est tout ou rien à ce maudit comté. Hein. Ouais. Soit il n'y a rien du tout, soit tout nous tombe sur la gueule. On va s'en sortir, rassurez-vous. Vous avez été touché où, je vais le faire, c'est pas trop mal. Plus qu'à faire le bandage. Vous voulez que je me rassoie? Si vous en avez la force, je peux vous aider si vous voulez. Oh ouais, non, bah, faites-moi le bandage là, on me relèvera après alors. Ok. Alors. Hop. Un petit tour. Fini, William? Ouais, j'ai fait le bandage là. Ok. Bien, j'ai pas fait de bandage sur Miss Atkins. Roger, ça va? Hop. C'est bon. Miss Atkins, elle a une balle transperçante dans le bras et une balle qu'il faut retirer de l'épaule. Quoi? Il y a une balle dans l'épaule? Ouais. Je savais pas. Bah, ouais. Aide Monsieur Goldstein à se relever. Allez, venez. Asseyez-vous, Monsieur Goldstein. Et une fois que vous sentez que vous allez mieux... Bon, j'aille au bureau, là. Vous voulez que je vous y amène? Je vais essayer de... J'allais de moi-même occuper vous des blessés. Je vais essayer, mais si vous tombez, criez fort. Bien sûr. Merci, Doc. Justement, le shérif Pécor a frappé un adjoint. Ah ben? Ouais. Par mégarde, a grippé
une dame du coin, ce qu'il nous a raconté, et directement te l'a frappé. Il a levé la main sur un de nos shérifs. Hein. Ah ben oui, non, ça se fait pas. Non. Alors moi, c'est direct, je vous le dis, j'ai envoyé un courrier à monsieur Kelly. Je lui ai dit que moi, personnellement, je m'opposais à l'adhésion, à leur adhésion au programme des Rangers. Et que, voilà, moi, j'en voulais pas dans notre comté. Comment tu te sens? T'as été blessé gravement? Je me sens nu. Et c'est évident s'ils ne veulent pas coopérer avec les gens. Du moins, ah, merde. En tout cas, oui, venez jeudi quand même. Et je me rappelle. Bon, ça va, l'étoile sur le téton, ça fait pas trop mal. Je l'ai. T'inquiète pas. Mais moi, je vous le dis. Il m'a dit, moi, anesthésié, j'ai pu l'épingler. Je suis désolé, madame la mère, mais je refuse. Enfin, bordel. Ah, mais tout à fait. Après, bien sûr, si vous avez été très mal accueilli déjà dans Pennsylvanie, alors que c'est de leur propre. Mais vous étiez où tout à l'heure? J'ai passé un temps fou à vous chercher. Du coup, j'ai pas trouvé. Ce serait quand même assez cocasse. Quoi, qui plus est, qu'ils nous ont reproché de ne pas avoir prévenu le bureau. Leur en rien la mémère, elle est partie. Je pensais qu'elle devait rester avec moi. Elle s'est barrée. Peut-être que nos shérifs ont oublié, peut-être que la réalité est perdue, peut-être, nous ne savons pas. Mais très bien, je suis excusé. Mais par contre, vous voyez, eux, ils ont une énorme fusillade avec les rebeldes, ils n'auraient pas pensé à appeler du renfort, par exemple, vous voyez. Ces gens-là, moi, je suis désolé. Moi, je m'oppose à leur adhésion. Ils ont intérêt d'avoir des bons arguments pour me faire changer d'avis. Ah bah oui, après, ça va être à eux, bien sûr, d'argumenter pour voir si... Je m'en remettrai. Oh, c'est assez cocasse quand même. Et vous allez bien, du coup, shérif? Non, madame la mère. Bah oui, qu'est-ce que vous avez eu? Je suis en vie, madame la mère. Ah bah oui, heureusement, je prie Dieu. La vie avec toujours moins d'honneur et de dignité. Moins d'honneur, moins de dignité. Tellement que nous n'en avons plus. Plus de larmes, plus de tristesse, de désespoir. Plus de rancœur, Joseph. Plus de rancœur. De noirceur. De noirceur qui me fera devenir une véritable teigne, madame la mère. Oh. Une véritable teigne. Ah ben, il faut les avoir, ces rebelles. De toute façon, il faut trouver une solution pour... Les aurez tous. Il faudra contacter les marshals pour voir ce qu'on peut mettre en place. Ah oui, il faut qu'ils répondent. Ils n'ont pas répondu à vos courriers. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais non. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Un peu quand même. De toute façon, si les marshals ne répondent pas, on va devoir faire appel aux rangers pour contrôler ces vermines. C'est pas le ranger, madame la mère, ça sert pour les enquêtes. Surtout. Ah oui, ben, c'est pour ça que j'ai dit ça, pour l'enquête. Ah ben l'enquête, il n'y a plus besoin. L'enquête, elle est déjà faite. Il n'y a pas besoin d'enquête, parce qu'ils sont tout le temps démasqués, ils revendiquent tout, c'est tout ce qu'ils ont fait. Donc. Oui, ils n'ont plus de secret pour personne. Hein? Ils n'ont plus de secret pour personne. Bon, oui, c'est ça. Excusez-moi, je suis un peu dur d'oreille avec tous ces coups de feu que j'ai entendus. J'imagine. Hein? J'imagine. Ah, oui. Bon, bah, très bien. Ce qu'elle a dit. Vous avez engagé Hélène. En tant que recrue, oui. C'est dit qu'une petite touche féminine au bureau, ça aurait peut-être du bon. Étant donné que toute la mairie est composée de femmes, on s'est dit pourquoi pas essayer. Tout à fait. C'est vrai que c'était une femme que j'ai dit comme quoi nous restait une place dans le bureau des shérifs. N'hésitez pas à contacter le shérif Racine pour postuler. Elle avait tout à fait des épaules pour être dans nos rangs. Oui, je l'ai vu tirer là, je l'ai vu à l'œuvre. Ah oui. Puis c'est une femme qui ne se laisse pas faire, c'est bien. Ça se voit. J'ai vu ça. Bon, malheureusement, les premiers jours, c'est souvent compliqué. Parce que là, Il y a une sorte de malédiction. Hein. Hubert, il faut que je te mette au goût du jour sur les deux attaques qui sont passées à Saint-Denis. Écris un rapport. Hein. Oui, non, justement, je peux pas. Pourquoi? Parce que je sais pas écrire. Écris un rapport. C'est important. Il y a un suivi derrière. Non, il y en a un, je peux pas faire un rapport. Pourquoi ça? C'est un peu délicat, oui. C'est par rapport à quoi?
Tu as acheté pour la sécurité d'une personne. On va trop laisser de traces écrites, j'expliquerai ça au shérif Racine. Je préférerais vraiment la chauver, mais malheureusement. Ah, foi. Je vais aller voir, faire un petit tour à la poste et je reviens, Joseph. Oui. De toute façon, je vais vous laisser. En tout cas, tant que. Y a pas j'ai bien compris que ma compagnie était trop, même la mère. Non, déjà non, fait quoi j'ai un rendez-vous, c'est pour ça. Ah c'est oui, pas oui. Vous. Un rendez-vous enfin, avec le silence. Mais non. C'est pas grave, j'aurais dû crever de toute façon. Mais on aura d'autres occasions pour parler. Si je vais organiser bientôt un dîner avec les tous les importants. Les bâtards, ils ont pas ramené nos chevaux. Ah, il y a madame la mère. Qui ça donc oui, je suis tout à cheval du monde. Les joutes enculées. Ça bon, on va y aller de toute façon. Nestor. Oula, waouh. Oh, faites attention. Nestor. Oui. Bien et vous. Tu peux m'amener au lieu de la fusillade. Bah, tout s'est bien passé. J'aille à Saint-Denis, oui, attends, vite. Du moins qu'ils ont pas fait mal de temps, vous dire. En plus, je t'avoue que nous avons quand même des blessés dans nos rangs, mais on va essayer de remonter la pente et de contre-attaquer, du moins. J'espère que d'après fort. Je peux vous poser une petite question, madame la mère? Bon, je sais que c'est pas trop long. Tiens, c'est quoi ça? Oui. Lâchez ton cheval. Permettez. Oui, dites-moi. Qu'est-ce merdier, là. Oui, ça va être décalé. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir réponse ce soir ou demain. Tu te souviens, Oshé? Non, mais je veux pas l'avoir à pied. Je vais là-bas. J'arrive. Ouais, j'ai une balle dans la patte, hein. Pourquoi tu marches comme un canard, hein? Ouais, j'ai une balle dans la patte, hein. Qu'est-ce que tu veux? Bon, Hubert. Les speakers sont attaqués William Pearson, le médecin. Ouais. Parce qu'il a tiré sur Marius, tu sais, sans faire exprès. Apparemment, ils font la justice parce que les shérifs savent pas faire, blablabla, bon, tu connais. Ouais, merci à eux. Et sauf que, bon, ils font la justice, mais ça a un prix, quand même. Il te donne des informations sur un branleur de Saint-Denis. Il a pas voulu me dire qui c'était, mais il me dit que c'est juste une petite frappe. Et du coup, ils l'ont attaqué, visage découvert. Il veut pas que ça se voit dans un rapport parce que sinon ça vient un danger. Ah ouais, c'est simple, les speakers. Je me prends le minute, s'il te plaît. Alors, c'est Jack River, Blanche Pearson, ce serait le bras droit. Sky, celle des trucs des chevaux. Clay Hartle, un Prussien. Et le chef, il sait pas son nom, c'est un barbu, cheveux mi-long, poivre et sel. C'est les speakers, apparemment, ils ont un salon de Blackwater. Oh. Mais Blanche Pearson, c'est pas elle du marché aux envies. Si, si. Et le Jack Machin aussi, là. Jack River. Oui, il y a aussi, lui. C'est les speakers. C'est ce qu'on va faire. Il faut qu'il bouge une charrette, là, on va les arrêter, puis on les confrontera. Bah, il veut pas trop qu'on les confronte. On parce s'en que, fout de ça. On parce que fait. Sinon, il va mourir, il a on, dit. Et bien qu'il meurt. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Ouais. Attendez, les Black Outlaws. Bonjour, monsieur. Qui ils sont où? Respect, monsieur. Comment allez-vous? Qui sont quoi, pourquoi? Les Black Outlaws, ils sont où? Je t'arrive pas à vous dire. Vous voulez que... Est-ce qu'un médecin est disponible? Ouais. Allez. Il est où, William? William? Oui. Bien. Je crois qu'il s'occupe de Roger, là, j'entends gueuler. Ah, Roger, il avait le genou en miettes. Il est mort. Tu peux t'occuper son genou, presque, mais lui, non. Occupe-toi de ce monsieur, William, il est blessé. Allez, venez, monsieur Michael. Ah, merci. Vous avez avec moi. Shérif, bonne soirée. Vous allez prendre ma déposition. Vous allez prendre ma déposition. Oui, si vous avez le temps, on fait ça maintenant. Hein. Ouais, quoi, j'aimerais bien être débarrassé. Je sais pas si le bureau est libre. Si on va aller derrière. Ah, ouais. Non, on va aller derrière, je pense. Oui, vaut mieux. Ouais, cachez-vous. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais. Ouais, mais c'est quand même. Je vais voir.
Ta gueule, Roger. Comme je disais à Hubert, prenez dans vos réserves là pour le lait de pavot et ces trucs-là. Oui. Si vous voulez une dose d'héroïne ou ce genre de choses. Et demain, quand vous viendrez pour le suivi, je vous rendrai, je vous rembourserai les doses et je vous offrirai les autres, la médication là pour les trois prochains jours. Oui, d'accord. Alors, pour les, ils étaient 4 ou 5. J'ai essayé de demander aux autres s'ils se souvenaient. On n'arrive pas à savoir s'ils étaient 4 ou 5. Ils étaient assez courtois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y en a un qui avait une voix assez posée, assez calme. Et en sortant, il y en a un qui nous a dit bonne journée et qui bégayait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ils étaient tous habillés de noir avec des longs manteaux, un bandana et un chapeau noir. Tous habillés de la même façon. Ils ont été courtois, hein, comme je vous l'ai dit, franchement. Il y a, tant qu'il n'y a pas d'effusion de sang... Ils étaient masqués. Ouais. Pas masqués, ils avaient des bandanas. Enfin, ils étaient masqués, oui, mais c'était des bandanas. Et je vous dis, j'ai reconnu, il y en a un de la bande qui bégayait, quoi. D'accord. Il voulait quoi, juste des soins? Il voulait me payer mon armoire à ma pharmacie. Seulement, comme je disais à Miss Rose tout à l'heure, hier soir j'ai eu la présence d'esprit de tout vider parce qu'on en avait. Elle était pleine à craquer. Et là, j'avais un stock de 10 pavots, une douzaine d'héroïnes. Et donc, j'aurais donné 3 pavots et 3 héroïnes. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont déjà des revendications, des messages à faire passer. Ouais, la seule revendication, c'était que c'est les Black Outlaws. Alors, c'est pas les Outlaw Black, du coup. Je sais pas dans quel ordre. Il a fait un rapport, il a marqué les Outlaw Black. Ouais, il est jeune. C'est les Black Outlaws, moi, ils m'ont dit. Mais oui, me fait douter. C'est pas le plus mané autour, hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a dit, le mec devant le dispensaire, là, qu'il y a les Black Outlaws, ils auraient une affichette à 400$? Non. Bien sûr, ça semblait bien que c'était une connerie. C'était les 8h, sinon, devant le dispensaire. Ah, possible. Oui, ouais, ils disent des conneries. Eux. Black Outlaw, ils n'ont même pas d'affiche. Ah, oui. Vous avez quelque chose à rajouter sur votre déposition? Oh, un criminel. Ils sont venus à pied? Ouais, ils étaient, en fait. Et ils sont repartis vers le cimetière? En fait, moi, je les ai vus. Ils étaient juste à côté du dispensaire. Ils n'étaient même pas dans le dispensaire. Et puis, j'ai préféré affronter le danger en allant les voir directement, en me disant que je préférais qu'ils ne nous amènent pas dans le dispensaire. Et finalement, ils nous ont quand même attiré dans le dispensaire parce que je savais qu'il y avait des gens. Quand on est rentré dans le dispensaire, j'ai dit à tout le monde de sortir. Ils n'ont pas eu la présence d'esprit de retenir trop de gens. Et juste que Miss Pichon, elle a tardé un peu à sortir. Et du coup, à ce moment-là, elle dit « Non, toi, tu restes. » Mais bon, j'ai essayé de les faire sortir. Ils sont repartis vers le cimetière après, là. Ça, je saurais pas vous dire. Ça, moi, je suis allé au fond pour voir si les gens n'avaient pas été blessés. Ah, mais en fait, si vous voulez, M. Macron, il les a vus, ça va pas. Ouais, il m'a expliqué. On les a vus. Roger, il est venu nous chercher, on les a cherchés. Il devait sûrement être caché dans les petites rues de Saint-Denis. Et vous savez quoi? Moi, je vous ai entendu. Vous êtes passé à côté du dispensaire pendant que je vous ai braqué. Et je vous ai entendu. Et moi, j'ai essayé de parler un peu plus fort, mais je n'ai pas hurlé non plus parce que je ne voulais pas mettre la puce à l'oreille. Ah, vous étiez en train de... Ouais, mais comme je vous ai dit, en fait, on allait rentrer dans le dispensaire en plus. C'est ça, Hubert, le truc. Et c'est je t'ai dit, il y a les rebelles d'Essa Rhodes. Putain. Je suis désolé. Achevez-moi. Arrêtez, vous n'avez pas à l'être. La merde, elle était en danger. De toi, des gens sont morts, Joseph. Ah, je vais me flageller. Messieurs. Joseph, je reviens. Ils m'ont volé pour $12, vous voyez? $12? Ah, je suis une merde. Un Joseph connard. Un Joseph sale merde. Un culé, tu mérites la mort. Joseph, arrêtez, revenez, ça suffit. Vous allez mieux que ça, le français. Nous ne sommes que des hommes et vous ne pouviez pas faire... C'est bon, je me suis puni, Hubert, c'est bon. C'est bien, Joseph. Ah, je vois que tu as même... agrafé l'étoile, oui, sur le téton. C'est bien, Joseph. L'essentiel, c'est que la mère s'en soit sortie sans blessure. Exactement. Ouais, c'est essentiel. Nous, comme je vous dis, ça nous a coûté $12, il n'y a pas eu de blessé. À partir du moment où il n'y a pas de blessé, que ça me coûte $12, voilà. Nous avons failli, Joseph. $12, Vous avez quand même déguisé vos armes et vous avez risqué votre vie. Arrêtez de voir les choses de manière... Mais c'est juste qu'Hubert est suicidaire.
Vous allez voir si... Monsieur Racine, vous allez réussir à les choper, les messieurs. Vous allez réussir, je vous le dis. Nous sommes des merdes. Non ! De toute façon, un de ces quatre. Peut-être que les Marshall, à un moment, ils vont finir par vous filer un coup de main. Vous êtes pas des merdes. Ça fait une semaine que je leur ai envoyé un courrier, ils m'ont jamais répondu. Ah, ils étaient plus actifs quand j'étais GV. Bref. Monsieur Racine, vous êtes pas une merde. Vous aussi, monsieur Goldstein. On est des grosses merdes, merci non. pour le petit rappel. Arrêtez. Vous êtes pas des merdes. Moi, je vous soutiens maintenant. Au début, j'ai pas voté pour vous, il est vrai. Mais maintenant, je vous Quoi soutiens. Quoi Oh non. J'ai voté pour monsieur Beckett parce que c'est lui qui m'avait offert une rédemption, mais vous aussi, monsieur Racine, vous l'avez offert. Pas pour un shérif. C'était un anglais après Racine, il avait pas voté pour les franchis. C'est vrai que c'était un anglois. Ça joue un peu, mais tout le monde me disait voter les Wix, du coup j'ai suivi bêtement. Mais je sais que maintenant c'est vous que j'aurais dû voter. Et je regrette amèrement mon choix. Ouais. Mais bon, vous êtes quand même passé. Ça, j'ai jamais pu vous sentir de toute façon. Quoi Vous êtes anglais, hein. Vous êtes anglais, oui. On est étonné. Mais pourtant, je montre que je suis devenu quelqu'un de bien, monsieur Racine. En donnant les biens du dispensaire au lieu de donner ses biens personnels. Écoutez, par exemple, j'appelle cette infâme stratège que vous n'avez pas été ce soir, monsieur Racine. Ça va, mon Roger? Oui, parfaitement. Bon, Roger, plus de course à pied hein, pour Roger. Hein. C'est... Ah, ouais, j'ai l'habitude de faire de la course à pied, quel dommage. Roger. Malheureusement, ça va être compromis ces prochains jours. Roger, par contre, on a pas réussi à t'avoir d'arrêt hein, du match boss. Hein. Ah merde. Comme je vous l'ai dit, moi, si vous voulez, je le mets en arrêt, mais moi, j'aime j'ai pas mettre... J'ai tout fait pour être garé. Comme je l'ai déjà dit à Hubert. Là, demain, il travaille. Ça me fait chier de mettre les shérifs à l'arrêt, tout pour Nestor, quel brawler, je suis là. Attends, Nestor, il a un arrêt. Nestor, c'est pas pareil. Nestor, il moi, c'est pas pareil. C'est pareil. Nestor, il avait mal en dehors du boulot, c'est encore pire. En plus, lequel qui se fait astiquer la flûte, Nestor, pendant que nous on est toujours là dans les chevaux. Il est où Nestor d'ailleurs? Ah bah il est parti avec la mère à Saint-Denis. Bah il aurait pas pu aller chercher les chevaux lui de... Non, je lui ai dit emmène-moi aux chevaux, il a dit non je vais à Saint-Denis. Et bon. Je sais que Hubert il est pas très fan, mais si jamais vous savez que vous devez vous mettre dans une situation dangereuse, prenez une dose d'héroïne une dizaine de minutes avant l'action. Ça vous permettra de tenir le coup, quoi. De toute façon, je vous rembourserai tout. À combien de doses ça peut être létal pour nous? C'est pas... Non, létal, non. Ça peut pas être létal comme ça, il faut vraiment y aller... Combien? Admettons combien? Plus d'une dizaine, hein, largement. On en a 10, là, Roger, là. Non, Joseph. C'est pour achever une histoire. Ça suffit. Oh bah lui, il faut une dose de cheval. Et puis pour la dépendance, elle vient pas comme ça non plus. Donc je vous dis, n'hésitez pas. Si jamais vous savez que vous devez être disponible ou si jamais vous sentez que le matin ça va pas aller pour le reste de la journée, vous prenez une petite injection et ça va vous permettre de tenir toute la journée. Quoi. Voilà, rien ne vaut une bonne vinasse dès le matin, un bon vin rouge. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur moyen, je disais. Technique de français. Ouais, le whisky c'est mieux que le vin rouge. Hein. Un bon vin rouge, là. Bon, messieurs, si vous avez plus besoin de nous, moi je vais retourner à Saint-Denis parce que j'ai besoin d'arrêt de travail. J'ai du business à faire. Roger, vous voulez un arrêt de travail? Pendant deux semaines. Des affaires réglées. Non, deux semaines, ça sale, non. Mais Roger, demain tu travailles. Pas. Si, bon, demain je travaille. Bon, Roger, t'es viré. Vous voyez entre vous, quoi. Ton insigne et ton arme. Ouais, qui toi? Je suis Hubert Racine. Ouais. Ah, de dropper, oui. Tu es son jumeau maléfique. Oui. Il est déjà assez maléfique comme ça. Bah oui, bah c'est pour dire. Bon, allez, on vous retient un peu plus longtemps, messieurs. Ouais. Merci beaucoup pour ce soir. Prenez soin de vous. Si jamais vous avez des fièvres, des nausées, vous venez tout de suite nous voir. Tout de suite. Hein. Oui. Bonsoir, monsieur. Ah, c'est monsieur Racine, je l'ai pas. Vous connaissez la chanson. Hubert, Macoy, il a dit si on a des nausées, des maux de tête, on va dans un coin super loin et on se laisse crever. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, vous venez de dire ça. Moi, je tombe dans la source. Et puis, il y a du vaché pour tout gars. Ah, messieurs, vous allez vous en sortir. Vous êtes des gaillards bien plus solides que ce que vous pensez. Si vous voulez de la financière, demandez à Miss du Lac. On bat les couilles d'argent. C'est l'argent qui paye les armes, non? Et les hommes aussi. Non, c'est le bureau du shérif qui paye les armes. On n'a pas assez d'armes, tu penses? Bah non, on en a une en moins. C'est un fusil pour Gilles. C'est quoi, c'est le bail de Nestor?
Ah, Nestor Kufir, il a dit, j'ai récupéré mon lema. Je vais envoyer un courrier, que ça au moins je à votre nom, que ça moi je me souviens. Attends. Ok. Et niveau salaire, vous êtes aux normes, ça? C'était combien par semaine? Si tu parles fort là. Ça marche à la production ou à la vente? Oui. Ça va déjà, ça va. Ok. Bah il faut que je postule, il faut que je me présente ce soir. Je suis pas disponible, mais peut-être demain à la soirée. Je vais juste noter votre nom. Qu'est-ce que t'as fait? Attendez. Fait cracher où? Alors, vous m'avez dit, je prends mon carnet, c'est bon. Alors, Dan, D-A-N. Baissez d'un ton, s'il vous plaît. Ouais, on va bien dormir. G-R-I-2-F. Tiens, il y a encore des connards qui gueulent dans le road, je vais tous les fusiller, je te jure. On va chercher les chevaux! Je vais me reposer, ouais. Tu sais comment je fais, il reviendra. Ouais, puis ils vont boucher de l'air, puis c'est tout. Ouais. Les chevaux, quand ils auront fait, retrouveront le chemin, vous en faites pas. Je chaud, ma jumeau, elle est ici, et je repose hors du vétérinaire. Ah bah c'est bon, alors. Allez, prenez soin de vous, messieurs. Ah ouais, ouais. Ouais. Ouais, je vais aller. Regardez, tu fais comme Nestor, tu sais, tu ramènes. Si y a ton cheval, c'est comme si t'avais échangé le cheval d'un autre contre le tien, c'est bon. Bah ouais, c'est bon. Affaire conclue. Qu'est-ce qu'il a dit, attends, Nestor? Attends, je vais regarder ça après. Hein? Il s'est dit, oh, j'ai retrouvé un lema. Ouais, j'ai retrouvé mon lema. Ah bah c'est bien ça, Nestor. Oui, en échange d'un lema du bureau. Bâtard. Ah, par contre, sérieusement, il commence à me casser les couilles. Hein. Ok, pas de soucis. C'est pas normal là, que là, on reste sans nouvelles, on cherche comme des connards. Oh, baissez d'un ton là, devant l'armurerie, si c'est vous, s'il vous plaît. Eh ben, problème que notre cadieux est militaire. Ouais, de même, parce que là, je suis fatigué, mais là, je commence à me gonfler. Il est complètement con, faut lui dire. Ça me fait chier. Enfin, bon. Et je me repose, moi. Ouais, bah, moi aussi, oh, t'as vu mon état, regarde comment je marche, c'est chanteux. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Roger, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ouais, ils m'ont fait du mal. Elle est où la mémère? On dirait qu'il s'est fait molester quand il dit ça. Bah, c'est le cas, ils m'ont mis une balle dans le genou. C'est honteux. J'en prends des pauvres vieux comme vous. Y'a plus de respect. Oula, 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 oula. Oh putain. Heureusement que t'es là, Roger. Il faut que les filles. Elle est où la vieille? Je sais pas. Je pense qu'elle est à la clamchée. Oh, mais merci pour ces fois. C'est service aussi. Je me souviendrai de toi, Hélène. On écoutera quelque part sur un papier. Allez, bonne nuit. Avec l'autre, là, Max Scott, je sais pas quoi, là, sur le tableau, là. Je sais pas qui c'est. C'est qui ça fait? C'est là, là? Ouais, tout en bas du tableau. Au nom de nous. Je vais l'effacer. Ouais, non, mais y'a plus de. Alors attends, qu'est-ce qu'il a fait Carnassier là? On va faire profiter tout le monde. Pourquoi y'a pas le son? Y'avait le son là ou pas? Putain, moi j'ai pas le son. Attends, faut que je fasse autrement.
Toc. Je vais péter un plomb là. Voilà, ça marchera comme ça. C'est quoi cette musique? Oh, ça rase. Oh, c'est maudit sa mère, putain. Ah, putain. Oh, ça m'a fait rigoler. Ah, ça m'a mis bien. Attends, hop. Et téléchargement. Bon, moi là-dessus, sur ce fiasco, je vais y aller. Hein. Je vais y aller. Demain, je pense pas stream. Vendredi, je stream. Non, jeudi, je stream, pardon. Voilà, je mets cette musique. Ah, sur ce méga flop. Hein. Vas-y, les refs, je vous souhaite une bonne nuit. À demain, peut-être dans l'après-midi. Et sinon, à jeudi. Ciao, ciao, bisous. Prenez soin de vous, les refs.